ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بيانفوني. Ce soir nous sommes dimanche 17 Jumad al-Oula 1428, c'est-à-dire le 3 juin 2007. Nous sommes toujours avec la vie des prophètes, et en particulier la vie de Adam, alayhi wa nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas de me suivre avec le numéro 1, inshallah ta'ala. On avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, quand il créa Adam, inshallah, j'espère qu'aujourd'hui on va terminer avec Adam alayhi wa sallam, quand il l'a créé, il était de 60 coudées de taille. C'est-à-dire que notre prophète Adam, que la paix soit sur lui, mesurait 30 mètres. 30 mètres. On avait dit que tous les gens qui iront au paradis, et idhnillah, tous les gens qui iront au paradis auront cette taille, auront 30 mètres. Ensuite, à la fin, le hadith a dit, il a parlé du salut qu'on a vu. À la fin, il a dit, quiconque entrera au paradis, il rentrera dans l'image d'Adam. Nam, c'est-à-dire 30 mètres de hauteur. Et depuis ce temps-là, la taille de l'être humain continue à diminuer. Nam, depuis ce temps-là, la taille de l'être humain continue à diminuer. Et tout le monde remarque cela, et personne ne peut nier cette vérité. Personne ne peut la nier. Plus on va vers la fin du monde, plus on devient plus petit de taille. Non. Comme j'ai dit une fois, c'est rare maintenant de trouver par exemple quelqu'un qui fait plus de 2 mètres. C'est rare. On les compte sur les bouts des doigts. Et c'est très 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 sûr qu'il n'y a aucune personne par exemple qui fasse 3 mètres. Mais autrefois, il pesait jusqu'à 30 mètres, 28 mètres, 25, et comme ça. D'ailleurs, Inch'Allah Ta'ala, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, une seconde, je dois écrire à quelqu'un. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu comme ça une photo, Allah l'avait, d'un squelette qu'on avait trouvé, un squelette. Seulement sa tête, j'ai vu seulement sa tête, yani, quand j'ai remarqué sa tête, il y avait au moins 8, 6, 10 ou 8 personnes qui étaient autour de sa tête. Tellement il était grand de taille. Là, sa tête ici et ses pieds là-bas très 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 loin. On l'a découvert, yani, il était sous terre. On a découvert seulement ce squelette, son squelette. Cette photo, je l'ai vu, ça fait seulement un an peut-être, ou là un an et demi. C'est dire que quand on entendait les gens dire que les cyclopes, etc., c'est vrai, non, c'est vrai, les gens avaient cette taille autrefois. Donc, plus on va vers la fin du monde, plus on va avoir une taille petite. Vous remarquez, les gens sont très petits de taille maintenant comparé à ceux qui étaient auparavant. Et plus aussi la longévité de la vie, la durée de la vie aussi diminue. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أعمار أمتي بين 60 و70. Il a dit l'âge de ma nation, de ma communauté, leur âge sera entre 60 et 70. Vous remarquez que la plupart, meurent entre 60 et 70 ans. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. C'est-à-dire, ce verset, ça donne en français, et quand ton Seigneur tira une descendance des rats, des fils d'Adam, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Mais si. Non, à chaque fois que je colle une chose, j'oublie de remettre le micro. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Il répondit, mais si, nous en témoignons. Non, nous en témoignons. Ensuite, on va revenir à ce verset, bien sûr. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, créa Adam. Puis il caressa son dos avec sa main droite. Il caressa son dos avec sa main droite et on fit sortir une progéniture. Et il dit, j'ai créé ceux-ci pour le paradis et ils feront les actions de ceux qui méritent le paradis. Hein? Il caressa encore une fois sur son dos et on fit sortir une progéniture. Et il dit, ceux-ci ont été créés pour l'enfer et feront les actions de l'enfer. Je vais d'abord couvrir ce hadith, ensuite on va en parler. Non. Bon, on dit qu'on se trouve et qu'on ne se trouve pas, Inch'Allah. Il faut me rappeler que je n'ai pas le micro. Ça y est. Donc la réponse c'était quoi? Quand il lui a dit pourquoi on œuvre, pourquoi on fait des actions? La réponse, quand Allah crée une personne pour le paradis, il facilite pour lui les actions du paradis, les gens du paradis, jusqu'à ce qu'il meure sur ses actions. Et ainsi, Allah le Seigneur le fera entrer au paradis. Et quand il crée une personne pour l'enfer, il facilite pour lui les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il meure sur ses actions. Et ainsi, il le fera entrer en enfer. Maintenant, on va parler un peu de cette chose avant d'aller plus loin pour que les choses, Inch'Allah Ta'ala, soient claires. Que les choses soient claires. Peut-être une personne va dire, donc, c'est une question de chance. Celui que le Seigneur a créé pour le paradis, donc, il va lui faciliter, il va aller au paradis, et celui qui l'a créé pour l'enfer, il va lui faciliter et il va aller en enfer. Ma réponse, Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'on sache et que ça soit ancré dans nos cœurs que jamais le Seigneur n'opprime quelqu'un ou bien ne lui fasse du mal. Au contraire, tu fais des fois beaucoup de ce péché, il te pardonne. Et tu fais seulement une petite récompense, il t'écrit 100, il t'écrit 10, il t'écrit 10 000. C'est comme ça. Donc il est impossible que Allah fasse du tort à quelqu'un et le crée comme ça directement pour qu'il aille au paradis. Mais le Seigneur, avant de créer tous les êtres qu'il a créés, et parlons spécialement des êtres humains, avant de créer quiconque, il sait que cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire et quel sentier elle choisit. Il y a seulement deux sentiers. Celui qui mène vers le Seigneur, le paradis. Et celui qui mène vers Satan et l'enfer. Allah, le Seigneur, avant de nous créer, sait exactement, avec tous les détails, qu'est-ce qu'on va faire et quel sentier on va prendre, etc. C'est tout ça. Si vous voulez, le Seigneur, dès qu'il nous avait créé, il aurait pu nous dire, toi, va en enfer, toi, va au paradis. Toi, va en enfer, toi, va au paradis. Avant même qu'il nous crée et nous fasse descendre sur terre. Pourquoi? Parce qu'il sait d'avance ce qu'on va faire. Mais comme il est le plus juste, il a voulu qu'il nous descende d'abord pour qu'on fasse
ce que chacun veut faire, et ensuite il va te dire, regarde ce que tu as fait, donc toi tu vas aller au paradis, et toi regarde ce que tu as fait, et donc toi tu vas aller en enfer. Car, je dis bien car, si lorsqu'il nous avait créé, lorsque le Seigneur nous avait créé, s'il nous avait fait rentrer directement un groupe au paradis, un groupe en enfer, personne n'accepterait qu'il aille en enfer. Et quiconque voudrait demander sa part et parler, etc. Alors le Seigneur lui dira, toi, si ça avait été descendu sur terre, tu aurais fait ceci et cela qui mérite l'enfer. Alors toute personne dira, Ya Allah, moi j'ai tout mérité au Seigneur, moi j'ai tout mérité, mais moi je dis le contraire. Moi, tu m'avais créé, tu m'avais fait descendre sur terre, je n'aurais fait que les choses qui te ravissent. Je n'aurais fait que la prière et le jeûne, et j'aurais donné tout mon argent en aumône, etc. Oh, l'enfant est là, il n'y a pas quelqu'un qui a les écrits que lui. Comme des bâches pour mon père. Que non, parce que quand c'est l'enfant, il a voulu lui faire des rondes sur terre. Pour que chacun fasse les actions qu'il veut, et ensuite, jour dernier, il te dira, regarde, c'est écrit dans un livre, bien sûr, n'as-tu pas fait ceci, n'as-tu pas fait cela, n'as-tu pas fait ceci, n'as-tu pas fait. On répond, on essaiera de mentir, on essaiera de dire que ce qu'il y a dans le livre a été ajouté par les anges, ils nous détestent, ils nous ont, etc. Ça, bien sûr, mais on n'aura aucune excuse. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas une question de chance, mais c'est une question que. On a fait là, le Seigneur qui t'a créé, il t'a donné des yeux, il t'a donné un cerveau, des oreilles, un cœur pour réfléchir, pour méditer, etc. Et il ne s'est pas suffi à cela. En plus, il t'a envoyé des prophètes et des messagers. Et il a fait descendre des livres clairs qui montrent voilà le chemin que je voudrais que vous suiviez pour qu'il soit ravi de vous et vous fasse entrer au paradis. Et votre chemin, donc vous devez vous éloigner avec ça. Voilà le chemin qui est passé. Cette chose, si vous faites chose, si vous faites cette chose, je vous donne des récompenses. Ne faites pas autre chose, ne faites pas ceci, cette chose est illicite, est haram, cette chose est interdite. Et il nous a dit, il nous a donné le libre choix. On ne dit pas comme ils disent que c'est le Seigneur qui nous a forcé avec ce chemin. Non, c'est un jour de Dieu. Le Seigneur ne te dit pas, cette chose est interdite, je ne pas, force pour que tu la fasses. C'est impossible. C'est une grande contradiction. Tu pourras lui dire le jour de la rétribution, c'est toi qui forces, pourquoi tu vas rentrer en monde. À moi, ça dépend de boire la voile. La voile est un livre, tu peux me tuer. Tu ne peux pas faire boire de l'eau, c'est un livre, et tu dis, c'est écrit sur ta prévue que je dois accorder. Va pas de l'autre, j'arrête. Pourquoi tu rentres là? Pourquoi tu commences à prier? Pourquoi tu ne peux pas faire boire? Elle dit, j'arrête, ça guide. J'arrête le guide. J'arrête le Seigneur me guide. Ça veut dire, tu vas en enfer, tu viendras dans un bâtiment sur terre, et tu attends que la vie est sur terre. Gabriel, la descendrière, se dit Allah, la carré, à la fin de la bouche, et commence à la prière. Ça, c'est comme ça, le Seigneur a dit dans le Coran, Inna Allah, la yurayyouna bi qawmin, yurayyouna bi anfusim. Allah, le Seigneur, ne change. Au nom d'une âme, il ne lui change rien, si elle n'a pas, je ne veux pas changer. Si moi, je reste dans un bar, et tous les ardeurs se demandèrent, quand tu juries, que j'allais ton corps pour que je te rende dans l'idée, Allah, ta'ala, le Seigneur, ne lui dira pas. Et si je suis du bar, et je dis, je suis le chemin à partir d'aujourd'hui. J'ai décidé de cette chose. Voilà, maintenant j'ai une bonne intention dans mon cœur. Le Seigneur sait ce que dans mon cœur. Maintenant il va m'aider et me guider et me faciliter la chose. Il va me faciliter la route. Regardez, lorsque le Seigneur a dit dans le Coran, si je trouve le verset, lorsque le Seigneur a dit dans le Coran, j'ai déjà décidé en moi, regarde ce verset. Regardez. Celui qui donne est un et déclare vide la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie du grand bonheur. Dis-moi si c'est affiché. Et quant à celui qui abat, se risque de l'eau à Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie la plus grande difficulté. Regardez bien ce verset. Histoire, celui qui donne, il donne l'homme, il donne l'argent pour l'État, ça veut dire des bonnes actions et craint le Seigneur et reconnaît, déclare véridique. La plus belle récompense, ça veut dire qu'on est là, un paradis, et que le Seigneur va faire entrer les gens au paradis, ceux qui font des bonnes actions, etc. Il a dit,
nous lui facilitons la voie sur un bon. La voie mène au bonheur profond. Le Seigneur va te la faciliter. Pourquoi? Tu as fait des choses. Celui qui vend, tu donnes de l'argent. Tu crains le Seigneur. Et tu attestes que l'eau est celui qui le fond, il va aider, il va sortir, il va arriver il va défendre. Tu as fait des choses, tu as fait. Mais autre, pense à lui tard. Se dispose de l'adoration du Seigneur. Il est moi, je me suis à moi. Moi, j'ai besoin ni de prier, ni de rester. Moi, je me suis fait n'est pas besoin d'orer Allah. Ni d'orer, ni le statut, ni Dieu. On pense plus de mensonges. Plus bas, il comprend le pas au dit tout ça, des mensonges. Celui-là, que va faire le Seigneur? Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Même le sentier de l'enfer, le Seigneur va te le faciliter. Il va laisser ton cœur scellé, va mettre la poussière sur tes yeux, Dieu toujours fermé, il va boucher tes oreilles, tu n'en rendras pas et tu mourras comme ça, aller éternellement en enfer. Est-ce qu'il t'a fait du sang? Jamais. Oui, Ali, je me dispense de l'adoration de Dieu, mais pas un Dieu. Tu n'as pas besoin de le mensonge. L'au-delà récompense alors la facilité, le sentier de Satan, parce que le cul. Tu aimeras faire la chaîne pas. Pour rentrer avec Satan en enfer. Donc, vous voyez que l'Ottawa est le plus juste. Il ne fait pas l'histoire à personne. Si nous, on veut ce qu'il a, il va nous ouvrir les portes. Si nous, on ne veut pas, on déteste ce qu'il a, pourquoi va-t-il nous ouvrir les portes? Ou du moins, pourquoi va-t-il ouvrir les portes du paradis? Est-ce qu'il va nous forcer? Il va nous forcer à ce qu'on fasse s'il veut? Jamais. Lui, il veut qu'on fasse de notre propre gré. Il ne veut pas que les gens nous emmènent enchaînés vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cela. Il dit, je veux que tu viennes de ton propre gré. Et que tu dises, ô Seigneur, je t'aime, je voudrais revenir vers toi. Je regrette ce que j'ai fait. Je choisis ton chemin. Non. C'est comme ça, si tu fais ça, le Seigneur sera ravi de toi. Mais que tu détestes ce qu'il a, ou que tu fasses des choses de force, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. C'est pour ça que vous remarquez que, donc, ça revient à nous. Est-ce qu'on veut l'enfer, ou bien est-ce qu'on veut le paradis? Ça dépend de nous. Si on veut le paradis, il nous ouvre ses portes, le Seigneur va nous aider. Si on veut l'enfer, il ouvre les portes aussi, qu'il m'enferme, puis c'est toi qui as choisi ce chemin. Ensuite, ce hadith, non. Ensuite, il vient la suite lorsqu'il dit Allah prit la convention du don d'Adam. Je vais aussi lire ce hadith. Non. Regardez bien ce qui va suivre. Non. Une seconde. Allah a pris la faute du dos d'Adam à Arafat. Arafat, c'est la Mecque, c'est connu. Puis il fit sortir de son dos toute sa progéniture qu'il créa et les éparpilla devant lui et leur dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Alors il a dit, afin que vous nous disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Afin que vous ne disiez pas, nous n'avons pas fait attention. Ou bien, on peut dire aussi autre chose, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire cette phrase-là. Ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce que font les imposteurs? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a caressé le dos d'Adam, et fait sortir sa progéniture en tant qu'âme, pas en tant que corps. Et il les a fait témoigner, c'est-à-dire nous tous, il nous a fait témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur? Il répondit, mais si, nous en témoignons. Ensuite il a dit, afin que vous ne disiez point, demain quand vous allez me rencontrer, le jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention, c'est-à-dire nous étions distraits. Nous étions distraits, nous étions insoucieux, nous étions inattentifs. Alors,
Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Il nous a dit attention, vous n'allez pas suivre le chemin, le sentier qui mène à moi, et vous allez trouver comme excuse que on a fait attention, on était distrait, etc. Il a dit attention, je n'accepte pas. La première excuse de dire on était insouciant, je n'accepte pas. La deuxième, ou alors de dire nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-pères étaient, il y a mis des associés. Ils faisaient des associés à Allah, c'est-à-dire ils n'adoraient pas le Seigneur. Et nous sommes leurs descendants. Où est notre faute? Vas-tu nous détruire? Tout ce qu'ont fait les imposteurs, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, nos aïeux, etc. Ça, c'est la deuxième excuse que le Seigneur a montré qu'il n'acceptait pas. Pourquoi? Parce que dans cette vie, toute personne, tout être humain a été créé pour quoi? A été créé pour qu'il adore Allah. Toute personne, a été créée pour adorer le Seigneur. Et toute personne a été créée pour adorer. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui n'adore pas. C'est pour ça que, ou bien une personne adore le Seigneur, ou bien elle est obligée de quoi? D'adorer autre chose. Car il n'y a quelqu'un qui n'adore pas. Car comme je viens de dire, toute personne a été créée pour adorer. De toute façon, toute personne a été créée pour adorer Allah, pour adorer le Seigneur. Mais celui qui ne veut pas adorer le Seigneur, sa punition, je dis bien, sa punition dans ce monde, avant l'au-delà, sera quoi? Sera, il adorera alors Satan. Non. Il adorera alors ses tentations. Il adorera alors ses passions. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire je n'adore pas le Seigneur et en même temps je suis libre. Comme ça je n'ai pas cette chose illicite, cette chose est illicite, cette chose est ceci, il faut faire ceci, faire cela. Moi je veux rester libre. Comme ça, donc je préfère ne pas adorer le Seigneur. On lui dit tu te trompes beaucoup. Car toute personne doit adorer. Or, ou bien tu adores le Seigneur et tu ne seras que heureux dans cette vie, dans l'au-delà. Ou bien alors, tu es en train d'adorer qui? Satan et ses tentations et ses passions. D'ailleurs, la preuve, tu adores tes passions. Tu adores tes tentations. Tout ce que ton âme te dit de faire, tu le fais. Tu es obligé de lui obéir. C'est tel qui t'a commandé. Alors que quand tu adores le Seigneur, ce n'est plus ton âme qui commande. C'est lui qui commande. Subhanou, exalté soit-il. C'est lui qui te dit, fais cette chose, je l'aime, éloigne-toi de cette chose, je n'aime pas. Là, tu l'as adoré. Tu as quelqu'un et qui, exalté soit-il, c'est lui qui te guide. Sinon, c'est le Satan et c'est tes tentations et tes passions qui sont en train de te guider. Or, ici, dans le dernier verset, il a dit, attention, celui d'avant, il a dit, attention, que vous soyez inattentifs. Attention, vous soyez insoucieux. Car il y a des gens qui vont vivre des années et des années, 60 ans, 70 ans, 80 ans, et il ne s'est jamais demandé pourquoi il vit. Ni d'où il est venu, ni qu'est-ce qu'il y a quand il va mourir. Il croit que ça y est, l'année c'est un jeu, on est là, on mange, on joue, on rit, on plaisante, et on dort, et ensuite demain on va se trouver comme ça dans la terre, on devient des vers de terre et il n'y a plus rien. Donc la vie, tout ça c'est abs, donc ça n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Comment se fait-il? Tous les cieux, toutes les étoiles, le soleil, toutes les choses marchent avec un calcul très 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 détaillé. Jamais deux choses, deux étoiles ne se rencontrent, ni. Et comment se fait-il que tout cet univers soit si détaillé, alors que nous, on est en calcul. On fait ce qu'on veut, on meurt, etc. Non, tout ça, ce n'est pas vrai. On a été créé pour des buts, pour le but de l'adoration. Et la vraie vie,
c'est quand on meurt et on ressuscite. Ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand on meurt et quand on ressuscite. Pardon. Mais le Seigneur nous a aidés, quand il nous a créés, il nous a aidés. Mais comme j'ai dit, il nous a donné un cerveau, un cœur, des yeux, des oreilles pour entendre, pour méditer, pour comparer, pour questionner, pour questionner. Et tous ceux qui méditent, lisent, questionnent, comparent, tous ceux-là vont arriver à quoi? Vont arriver au but de savoir que, naam, ils ont été créés pour l'adoration. Ils n'ont pas été créés pour jouer, pour plaisanter. C'est pour ça que, dans le dernier verset où il a dit, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour tromper les imposteurs? L'islam interdit le fait d'imiter aveuglément. L'islam interdit qu'on imite nos pères ou nos grands-pères, nos aïeux, ou bien n'importe qui. On n'imite pas en islam. Mais l'islam t'exhorte à penser et à méditer et à comparer afin d'accepter la chose avec quoi? Avec conviction. Avec conviction. Ce n'est pas parce que X a fait cela que moi je fais cela. Moi je voudrais savoir quelle est la comme ça, quand je fais quelque chose, je la fais avec conviction. Donc, c'est pour ça qu'il y a un verset dans ce verset. Nous avons destiné beaucoup de djinns, les esprits, et d'hommes pour l'enfer. Pourquoi? Pourquoi ils vont rentrer en enfer? Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, les bêtes, même plus égarés encore qu'elles sont les insouciants. Pourquoi le Seigneur nous a donné un cœur? Pourquoi il nous a donné des yeux? Pourquoi il nous a donné des oreilles? Si ce n'est de connaître, si ce n'est pour chercher le chemin qui mène à lui. Il ne nous a pas donné un cœur et des yeux et des oreilles pour manger et dormir et voir la télévision et dormir. Ce n'est pas cela. Mais il t'a donné cela pour t'aider en plus. Des messagers qu'il a envoyés, en plus des livres qu'il a fait descendre, en plus du pacte qu'il a pris du dos d'Adam quand il est dans son dos, comme on a vu tout à l'heure, en plus de tout cela, puisqu'il aime beaucoup les excuses, en plus de tout cela, il t'a donné un cœur, il t'a donné des yeux, il t'a donné des oreilles. Alors ceux qui n'utilisent pas ces choses, ces yeux, etc., pour les buts, pour le but de le connaître, ceux-là, les animaux sont mieux qu'eux. Car il a dit, ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore qu'elles sont les insouciants. Ils sont plus égarés que les bestiaux. Pourquoi? La bête, au moins, si elle ne glorifie pas Allah, elle est excusée. Elle n'a pas un cerveau comme nous, qui en est assez, où il y a assez de conscience. Non. Si elle ne faisait pas, elle serait excusée. Alors que toutes les bêtes glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les bêtes glorifient d'une façon que nous, bien sûr, on ne sait pas. Mais c'est écrit dans le Coran que toutes les bêtes, tous les animaux glorifient le Seigneur et attestent que c'est lui qui les a créés. Donc je voulais dire qu'en islam, n'est pas excusé celui qui dit, yani, je n'ai pas cherché, ou bien je n'ai pas étudié, ou bien j'étais occupé, tout cela, ils ne seront pas excusés. Non. Et ne sera pas excusé aussi celui qui va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, mes aïeux étaient comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? D'ailleurs, je ne peux pas les contrarier, je ne peux pas les contredire, je ne peux pas ne pas suivre leur chemin. Tout cela, c'est bien clair qu'ils ne seront pas excusé demain. C'est pour ça que, regardez, c'est pour ça que il y a un hadith, où le prophète, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le prophète, que la paix soit sur lui, non, il n'est pas passé ce hadith, je le recolle une deuxième fois. Le recollons deux fois.
مش بيطبخ. Ah, c'est son début. Celui-là, c'est son début. Allah dira à une personne qui va entrer, une personne qui va rentrer en enfer. Allah lui dira le jugement dernier. Et cette personne, c'est celle qui recevra le moins de châtiment. Allah Ta'ala va lui dire, et si maintenant, par exemple, tu avais tout sur la terre, tu avais par exemple tout l'or qu'il y avait sur la terre, est-ce que tu le donnerais en rançon pour te libérer de l'enfer? Qu'est-ce qu'il dira? Il dira oui. Bien sûr, je donnerais, si j'avais tout l'or du monde, je le donnerais pour sortir de l'enfer. Alors le Seigneur lui dira, quand tu étais dans les lombes d'Adam, quand tu étais dans les lombes de ton père Adam, je t'avais demandé bien moins que cela. Je t'avais demandé bien moins que cela. Qu'est-ce que j'avais demandé? Seulement de ne pas adorer d'autres divinités autres que moi. Mais toi, tu as insisté à le faire. Non. Maintenant, toi, que tu es en enfer, ou bien que tu vas rentrer en enfer, si tu avais tout l'or du monde, tu le donnerais pour ne pas y rentrer. Mais c'est impossible que tu aies tout l'or du monde, et c'est impossible si tu l'avais que Allah Ta'ala, le Seigneur, l'accepterait de toi. C'est impossible. Tu n'as pas besoin d'or. C'est lui qui a créé l'or. Mais il te montre qu'il t'avait demandé quelque chose de bien, bien, bien plus facile que celle-là. Plus facile que d'essayer de ramasser tout l'or du monde. C'est quoi? C'est seulement de l'adorer sans y associer d'autres divinités. C'est pour ça qu'on dit qu'en islam, toute personne qui a reconnu qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent l'adoration que Allah, que le Seigneur. Il n'y a pas d'autres. Ni son fils, ni une statue, ni cela, il n'y a rien. Il y a seulement le Seigneur, lui seul, que je dois adorer. Toute personne, si elle atteste comme ça, elle dit, je reconnais que seul le Seigneur doit être adoré. Et je reconnais que le dernier des messagers qu'il a envoyé s'appelle Mohammed. Celui-là, même s'il fait tous les péchés, Allah Ta'ala, s'il veut, il lui pardonne le jour du jugement dernier. Car il ne pardonne pas seulement une chose. Qu'est-ce qu'il ne pardonne pas? Il ne pardonne pas de lui donner des associés. Il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, en quelqu'un est croyant, s'il est musulman, s'il fait tous les péchés, tous les autres péchés, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner s'il veut. S'il ne lui pardonne pas, au pire, pour qu'il aille au paradis. Ensuite, c'est pour ça que, il y a aussi un autre hadith qui dit, ce hadith, regardez qu'est-ce qu'il dit. Quand le fils Adam lit une sejda, moment de prosternation dans le Coran, et se prosterne. Satan se retire à côté et pleure en disant, malheur à moi. Le fils d'Adam, tu ordonnais, tu prosternais, il a obéi à l'ordre et obtenu le pardon. Alors que je fus ordonné de me prosterner, mais j'ai désobéi à l'ordre et je fus voué en enfer. Quand on lit le Coran, il y a des passages où on arrive à un endroit
L'une de ces heures est égale à 83 années et 4 mois. Une heure, c'est-à-dire 83 années et 4 mois, vu que le jour fait 1000 ans. Alors, il reste à allonger pendant une période de 40 ans dans son corps en terre, avant que l'âme fût insufflée en lui. Ensuite, il resta dans le paradis pendant une période de 43 années et 4 mois avant son expulsion. Et Allah est plus savant. Ça, c'est le deuxième avis qui dit que, et c'est à peu près le plus juste qu'on va voir tout à l'heure aussi, qui dit que il est resté au paradis à peu près 43 ans. À peu près 43 années. Ensuite, on va parler de l'histoire de Caïn et Abel. C'est-à-dire l'histoire de Abel et Habil. Hein, les deux fils d'Adam a.s. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en parlant d'eux, il a dit, et raconte leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. On va parler des deux fils. Naam. Et raconte leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui qui dit, je te tuerai sûrement. Allah m'accepte, dit l'autre, que de la part des purs. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Alors celui-ci a dit, je te tuerai sûrement. L'autre a répondu, Allah m'accepte que de la part des pieux, que de la part des pieux. D'abord, je voudrais dire que, en ce qui concerne les noms, en ce qui concerne les deux noms, c'est-à-dire Qabil ou Habil, c'est-à-dire Caïn et en français Abel. Non. En ce qui concerne les noms, il n'y a rien dans le Coran, ni dans des hadiths, ni dans des hadiths authentiques qui disent que, voilà, les deux noms de les fils d'Adam. Mais c'est yani dans, comme nous disent les ulama, peut-être dans les Israélites, c'est-à-dire que ceux qui étaient les gens du livre, etc., qui sont rentrés ensuite en islam, ont raconté ces choses et ont parlé de ces deux noms. Quoique beaucoup de livres de musulmans citent les deux noms. La plupart, je dirais même la plupart sans exagérer, la plupart des livres qui explique le Coran, quand ils arrivent à ce verset, ils disent l'un s'appelait Abil et l'autre Habil. Comme ça, ils disent. Mais moi, je dis que il n'y a rien d'officiel, ni un verset, ni un hadith authentique qui a cité ces deux noms. Mais ça ne gêne pas beaucoup. Parce que les noms n'ont pas beaucoup d'importance, comme on l'a expliqué une fois. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'Adam fut parti, les deux, ses enfants, offrirent des sacrifices. Autrefois, on offrait des sacrifices à Allah subhanahu wa ta'ala, au Seigneur. Comment qu'on les offrait? On les posait comme ça, dans un endroit désertique. On pose ce qu'on veut offrir comme récompense au Seigneur et on attend. Qu'est-ce qui se passe? Un feu va descendre du ciel et brûler cette chose. S'il brûle cette chose, ça veut dire que le sacrifice a été accepté. C'est en même temps un signe que je suis impur. Mais si le feu ne descend pas, ou bien descend et ne brûle pas ma part de sacrifice, brûle celle de l'autre, alors ça veut dire que mon sacrifice est accepté en tant que pas Dieu. Ici, à ses deux enfants, ses deux frères, qu'ils fassent un sacrifice pour eux, pour lui, pardon. Alors, l'un des deux, qui s'appelle Habil, était berger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un gros agneau. Quant à l'autre, Habil, il a offert un paquet de récoltes, du blé, etc. Il a choisi les plus mauvaises qu'il avait. La plus mauvaise chose qu'il avait, il l'a offerte. Alors un feu descendit et dévora le sacrifice du premier, de Abel,
sans toucher au sacrifice de l'autre, de Caïn. Alors ce dernier devint fâché et menaça Abel, qui lui a dit, je te tuerai. Comme vous voyez ici, dans le verset, il lui a dit, je te tuerai sûrement. Lorsqu'il a accepté, Allah, le Seigneur, n'accepte que de la part des pieux. Le Seigneur n'accepte que de la part des pieux. Où est ma faute? Pourquoi tu veux me tuer? Où est ma faute? Qu'ai-je fait? J'ai seulement été pieux. Fais comme moi, sois pieux, et le Seigneur acceptera de toi. Parce que j'ai fait quelque chose contre toi pour que ton sacrifice ne soit pas accepté. Seulement moi, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai adoré le Seigneur, j'ai obéi à ses ordres, je n'ai pas transgressé ce qu'il m'a demandé de faire. Et la récompense, voilà, mon sacrifice a été accepté. Donc, toi, si tu voulais vraiment et si tu veux, ton sacrifice soit accepté, c'est seulement ce que j'ai fait. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? L'autre, c'est la jalousie qui l'a pris. Il a été pris de jalousie et il a été pris de quoi? L'envie, comme on dit aussi, l'envie, le hasad. Il a voulu, il a pensé à tuer son frère. Quand il lui a dit, je te tuerai. L'autre, il a répondu, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu joignes entre le péché de m'avoir tué et ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu, de l'enfer. Telle est la récompense des injustes. Non. Il lui a répondu, si tu veux me tuer, sache que moi, je ne te tuerai pas. Je te laisserai faire. Pourquoi? Il a dit, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. C'est une preuve que, donc, tuer, c'est vraiment quelque chose de grave. Au point où j'accepte que je sois moi le tué et non pas le tueur. Tellement c'est grave, j'accepte d'être tué. Sans que rien, c'est moi qui meurs et toi qui vis. Mais je ne ferai pas le contraire. Pourquoi? Parce que moi, je suis pieux et j'ai peur du Seigneur. J'ai peur du Seigneur. Mais attends, il faut que tu saches, tu vas joindre entre les deux. Tu es d'abord tué. Alors c'est sûr que tu parles de ceux qui iront en enfer. Puis il rentre maintenant un peu en haut lorsqu'il a dit à son frère, Allah m'accepte, attends, je reviens un peu en haut, Allah m'accepte que de la part des pieux. Non, Allah m'accepte que de la part des pieux. Ce verset, je le recoupe ici, je vais le remettre ici. Voilà, j'espère qu'il est collé, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous le voyez, le dernier verset? Allah m'accepte que de la part des pieux. Est-ce qu'il a été collé ici? Je crois qu'il y a un décalage entre vous et moi. Je sors une seconde de la salle et je reviens. Je sens qu'il y a un décalage. Je ne vois rien dans le salon. Est-ce que vous m'entendez? Salam alaykoum. Naam, alhamdoulilah. Al-Qalam, le dernier verset, est-ce qu'il est affiché? Allah n'accepte dit l'autre que de la part des pieux. Est-ce qu'il a accepté celui-là? Pardon. Naam. Quand il a dit, regardez, quand le pieux a dit, il a dit, Allah, le Seigneur, n'accepte que de la part des pieux. Ici, certaines sectes qui sont égarées, comme les Khawarij, les Kharijites,
et les mu'tazilites qui sont égarés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le Seigneur n'accepte aucune, jamais, si on fait une chose, jamais le Seigneur, même si on fait une chose, que, une chose d'obéissance. Une seconde. Non. Ils ont dit, les Kharijis et les Mu'tazilites, ils ont dit que même, si on fait une chose d'obéissance, si on fait une obéissance ou bien une adoration, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte sauf si on est du genre qui on ne fait jamais de grands péchés. Ça veut dire, par exemple, si tu donnes de l'aumône à quelqu'un, tu donnes à un pauvre de l'aumône, ils disent, tant que par exemple, tu bois de l'alcool, ou tu fais telle ou telle chose, qui est un grand péché, or, toutes les adorations que tu vas faire, elles ne vont pas être acceptées. Non. Tu donnes de l'aumône, etc., ça ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que, parallèlement, tu fais de grands péchés. Ça, ce sont les Kharijis et Mu'tazilites qui se sont basés sur, ils ont dit, Allah n'accepte que de la part des pieux. Et toi, en buvant de l'alcool, etc., tu n'es pas un pieux. Donc tout ce que tu fais est annulé. Et d'autres, à l'opposé, une autre secte qui est égarée, qui s'appelle les Mourdia, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Allah, c'est-à-dire le Seigneur, accepte toutes les adorations que tu fais, à condition que tu ne sois pas seulement un associateur. Si tu n'es pas un associateur, un mouchrik, tout ce que tu fais est accepté, toutes les adorations que tu fais est accepté. Mais l'avis le plus juste de les gens, un sunna ou jama'a, les gens de la sunna et du consensus, l'avis le plus juste, c'est que quoi? C'est que quand tu fais une adoration, il faut que tu sois pieuse, pardon, il faut que tu sois pieuse dans l'adoration elle-même. Non. Sans avoir une relation avec les autres choses. C'est l'adoration elle-même que tu viens de faire. Je viens de donner de l'aumône. Je viens de donner 10 euros en aumône. Est-ce que cette adoration, je l'ai faite avec sincérité, etc., elle sera acceptée? Même si, parallèlement, je bois de l'alcool. Même si, parallèlement, je fais de la calomnie. Ça n'a rien à voir et ça n'a pas de relation. C'est comme lorsqu'il a dit dans le Coran, le Seigneur, quiconque fait, ne fût-ce ou la fût-ce, un atome de bien, il le verra. Et quiconque, s'il fait, ne fût-ce qu'un atome de mal, il le verra. Donc moi, quand je donne de l'aumône, si je suis sincère, je le donne en la face du Seigneur, etc., ça sera accepté, même si, parallèlement, je fais d'autres choses, si je fais d'autres péchés. Ça, c'est premièrement. Ensuite, quand il a dit, je reviens au verset, je dois le chercher d'abord pour le recoller, je dois le chercher ici, pardon, excusez. Non. Non, ici, quand il a dit, celui-là, une seconde. Quand il a dit, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu joignes entre le péché de m'avoir tué et ton propre péché. Alors tu feras du nombre des gens du feu, telle est la récompense des injustes. Vous devez savoir qu'il y a un hadith qui est authentique, dans le Bukhari Muslim, qui dit quoi? Il dit que si deux musulmans se rencontrent, bêtés l'un contre l'autre, le meurtrier, le criminel et le tué iront tous les deux en enfer. Alors les compagnons se sont étonnés, ils ont dit au messager d'Allah, le cas du criminel, c'est clair, parce qu'il veut tuer. Mais pourquoi le tuer lorsqu'il est mort? Pourquoi va-t-il en enfer? Il a dit, le tuer cherche lui aussi à tuer l'autre. C'est-à-dire, quand maintenant, moi, avec une autre personne, on va prendre des épées, on veut s'entretuer. Chacun voudrait et chacun va faire son possible pour tuer l'autre. Maintenant,
si l'autre m'a tué. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lui, il va aller en enfer parce qu'il m'a tué. Il a fait un grand péché. Mais n'empêche que moi aussi, j'irai en enfer. Pourquoi? Parce que moi, s'il ne m'envoyait pas ma tête, il m'a donné l'offre. Il est tenté, pas quand quelqu'un veut me tuer et je me défends, il a un sabre, je regarde devant moi, je trouve un sabre, une épée et je la prends. Non, c'est pas comme ça. C'est quand, yani, en voulant faire du tort à quelqu'un. Et on va s'entretuer les deux. Ici, celui qui meurt, il meurt pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de tuer l'autre. Mais, alhamdoulilah, Dieu merci, les savants ont dit, le fait qu'ils aillent les deux en enfer, ça ne veut pas dire qu'ils auront le même degré de châtiment. Pourquoi? Parce que le premier qui a tué, qu'est-ce qu'il aura? Il aura le châtiment d'avoir tué, il aura le châtiment de l'intention d'avoir tué et aussi l'acte d'avoir tué. Il a fait deux choses. Il s'est entretué et il a tué. Il a fait deux choses. Alors que celui qui a été tué, il n'a fait qu'une seule chose. C'est quoi? Il avait seulement l'intention de tuer. Mais il n'a pas tué. C'est lui qui est mort. Donc l'intention joue un très 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 grand rôle en islam. Je donne un exemple. Si par exemple je dis par exemple, demain, j'ai dans l'intention d'aller voler une banque. La nuit, je fais des plans, c'est telle et telle banque, voilà le chemin par lequel je vais prendre, etc. Ensuite, le lendemain, arrivé à la banque, par exemple, je la trouve quoi? Je la trouve fermée et bouclée avec les policiers, etc. Ils ont fermé la banque, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, je vais revenir à la maison, je ne vais pas voler la banque. Donc, je croyais que ce jour-là, je n'allais pas trouver un policier devant la porte, alors qu'il y a des centaines et elle est fermée. Donc, je vais revenir à la maison. Mais, chez le Seigneur, chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit que j'ai volé la banque. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'intention, et plus de l'intention, j'ai essayé, je suis sorti de la maison et j'ai marché, je suis arrivé devant la porte et je l'ai trouvé fermé, je suis revenu. C'est pour ça que, avec l'intention, seulement on peut avoir des péchés. Et la même chose, avec l'intention seulement, on peut avoir beaucoup de récompenses. Et maintenant, moi, je dis demain, je vais donner 10 euros à un pauvre. Ensuite, le lendemain, je cherche l'argent, je voulais donner, je ne les trouve pas. Ou bien j'oublie, au lieu de les donner aux pauvres, j'achète des fruits, etc. Ensuite, je me rappelle, je me dis, ah, les 10 euros, je voulais les donner aux pauvres, j'ai oublié, je les ai achetés des fruits. Ça y est, c'est écrit que, comme quoi, tu les avais donnés aux pauvres. La récompense a déjà été écrite. Pourquoi? Parce que l'intention, tu avais l'intention, et ensuite, tu ne l'as pas fait exprès. Tu as oublié ou bien tu as perdu l'argent, tout ça, ce n'est pas ta faute, ça te dépasse. Donc l'intention joue un très très grand rôle. Sauf qu'une fois j'avais donné un exemple qui est très simple. Si quelqu'un, par exemple, supposons que j'ai un verre plein d'alcool. Je vais poser, par exemple, sur le bureau, je vais le boire. Ensuite, je me suis occupé à lire un livre là, mon fils est passé, il a vu, il a dit qu'est-ce qu'il y a ici, il s'est parlé lui-même, il a senti, il a dit c'est quoi ça? C'est de l'alcool, il l'a jeté, ensuite il a rempli d'eau, et moi je ne l'ai pas vu. Moi je crois toujours qu'il y a de l'alcool dans le verre. Ensuite, j'ai posé le livre, je prends le verre pour le boire, dans mon intention l'alcool. Ensuite, quand je bois, je trouve que c'est de l'eau. Même si je regrette, c'est-à-dire je dis, ouf, heureusement que c'est de l'eau. C'est trop tard. Pourquoi? Avec l'intention, tu voulais boire de l'alcool, et plus de l'intention, tu as fait l'acte. Tu as pris
tu as fait le geste, tu as pris le verre, tu as bu. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'écrire, c'est quoi? C'est de l'alcool. Pourquoi? Parce que l'intention joue un grand rôle. L'intention joue un grand rôle. Donc c'est pourquoi seulement avec les intentions, on peut avoir beaucoup, beaucoup de péchés, on peut avoir beaucoup, beaucoup de quoi? Beaucoup de récompenses. Et dans le hadith que vous connaissez sûrement, qui est authentique, que quelqu'un a dit, si j'avais quelqu'un qui était pauvre, et il y avait un autre qui avait beaucoup d'argent, et avec cet argent, il donnait aux pauvres, il construisait des mosquées, il a dit, si j'avais de l'argent comme ce riche, j'aurais été comme lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de là, yani le deuxième qui a dit comme ça, il a la même chose que lui avec l'intention. Avec son intention, il a la même chose que lui, mais avec l'intention seulement. C'est-à-dire c'est moi, mais il a la même chose que lui. Yani, ils ont déjà une chose qui se ressemble. Et une deuxième personne qui était très pauvre avait dit, en parlant, en évoquant une personne qui était riche, et qui faisait avec son argent seulement l'illicite. L'illicite, l'alcool, etc. Il a dit, si j'avais de l'argent comme lui, j'aurais fait comme lui. Et celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a les péchés comme lui, avec son intention. Ça veut dire, ils n'auront pas le même nombre de péchés, puisque l'autre, il avait l'argent, il faisait l'illicite. Mais l'autre, il n'a pas d'argent, mais avec l'intention seulement, le fait qu'il ait dit, si j'avais de l'argent, je ferais comme lui, il aura un certain nombre et assez de quoi de pécher, seulement avec une intention. Donc vous regardez, seulement avec une intention, on peut avoir beaucoup de récompenses, et seulement avec une intention, on peut avoir beaucoup de péchés. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Il a dit, ensuite son âme, pardon, ensuite, je recopie le hadith ici. Il a dit, ça y est, ça ne veut pas s'approcher de l'an, je vais enlever une phrase. De toute façon, est-ce que vous voyez ce que c'est écrit? Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un courroux qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce courroux, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux qui ont regretté. Al-Qalam, est-ce que tu vois ce qu'il y a? Naam, Al-Qalam, est-ce que tu vois ce qu'il y a ici? Alhamdulillah. De toute façon, aujourd'hui, j'ai découvert une chose. Aujourd'hui, j'ai appris une chose dans le Paltok. C'est quoi? C'est que quand on veut afficher, coller quelque chose, il ne faut pas qu'elle dépasse 5 lignes. Ça, aujourd'hui, j'ai remarqué. Si ça dépasse 5 lignes, il n'accepte pas le Paltok. Il faut que ça soit 5 lignes, la moins de 5 lignes, c'est tout. Alhamdulillah, c'est une expérience. Alors, son âme l'incita à tuer son frère. L'âme qui incite. L'âme, vous savez qu'en islam, il y a trois sortes. Il y a l'âme qui est yani mutma'inna, c'est-à-dire l'âme qui est sereine, qui est quiète. Et il y a l'âme qui fait des remords. Qui fait des remords. Mutma'inna ou l'awama. L'âme, la troisième, j'ai oublié. Il y a l'âme qui est quiète et qui est sereine, cette âme, l'âme. Et il y a l'âme qui pousse, la troisième, l'âme qui pousse à désobéir et à Allah et à suivre Satan. Ici, le Coran a dit, son âme n'incita à tuer son frère. Notre âme, quand Allah Ta'ala nous a créé, nous a donné une âme, on a tous une âme à l'intérieur. Cette âme, c'est toi qui la commandes. C'est pas elle qui doit te commander. C'est toi qui la commandes et c'est toi qui fais d'elle comme tu fais avec un moule. En te donnant de la pâte, tu choisis le moule que tu veux.
tu peux faire avec un moule une voiture, avec la pâte tu fais une voiture, tu peux faire un arbre, tu peux faire un gâteau, tu peux faire ce que tu veux d'après le moule que tu as. Maintenant, ton âme, si tu l'éduques, si tu la surveilles, si tu la forces à ce qu'elle suive le chemin que le Seigneur a tracé, nous a montré que c'est le chemin qui mène vers lui. Alors là, tu fais juste un peu d'effort, ensuite elle devient sereine, elle devient quiète, elle devient, pardon si je puis dire, elle devient comme toutou. Hein, comme toutou. Là, tu la commandes, tu la commandes, tu l'as battue. Là. Mais ton âme, si tu la laisses, elle fait ce qu'elle veut. Et tout ce qu'elle veut, tu lui fais, c'est elle qui va te commander. Tu ne pourras plus jamais la commander. Toi, tu veux faire cette chose, elle te dit on fait le contraire. Toi, tu veux aller de ce côté, elle te dit on va de l'autre côté. C'est elle qui commande, ça y est, trop tard. Donc, si, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique, il a dit, la meilleure guerre sainte, c'est de faire la guerre à ton âme. Jihad nafs. Tu fais le jihad, la guerre sainte, à ton âme, jusqu'à ce qu'elle soit une âme sereine, une âme pleine de, et elle est tranquille et pleine de quiétude, tu la commandes, elle, et elle, tu ordonnes seulement, et elle obéit. Parce que là, tu la maîtrises. Mais si tu la laisses, c'est trop tard. Si c'est elle qui commande, c'est trop tard. Ici, son âme l'incita à tuer son frère. Donc, il le tua et devint ainsi du nombre des perdants. Car quiconque tue quelqu'un, c'est sûr que il sera des nombres des perdants. Surtout s'il le tue à tort. Il le tue à tort. Et ce n'est pas Allah Ta'ala qui lui a dit de le tuer. Mais il l'a tué à tort, celui-là. Donc, il devient des nombres des perdants. Alors maintenant, il a tué son frère. Il n'a jamais vu et il ne sait pas ce qu'il va faire de lui. Le cadavre est là, le cadavre va commencer à donner une odeur, le cadavre va devenir nu, parce que les habits vont partir avec le temps. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, le Seigneur envoie un corbeau qui se met à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Là, elle a envoyé deux corbeaux, ils ont commencé à se battre. Et quand l'un des deux corbeaux a tué l'autre, il a commencé à gratter pour le mettre dans le trou, dans un petit trou. Donc ici, ce frère a dit, donc voilà comment je dois faire, je vais faire comme ce corbeau. Alors il a dit, malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux qui ont regretté. Là, c'est trop tard pour regretter. C'est trop tard pour regretter. Quand on fait un péché comme celui-là, très grand, bien sûr, si on regrette, le Seigneur accepte, mais si on tue quelqu'un, en islam, on doit être tué, sauf si la famille de celui qui a été tué nous pardonne. Hein? Car c'est de l'injustice et de la grande, grande injustice que je tue quelqu'un. Je le prive de la vie, je le prive de sa femme, je le prive de ses enfants, je le prive de ses biens. Ensuite, je vais rester seulement quelques années en prison. Même si je reste 50 ans en prison, ça ne suffit pas. Je l'ai tué sans raison, à tort. L'islam te dit, tu dois être tué exactement comme lui. Il n'y a pas de différence pour que toi tu le tues et toi tu vis. Hein, tu vas rester 5 ou 10 ans en prison. Avec les connaissances, etc., on va te faire sortir. Et tu es là dans la rue, tes frères te voient, les enfants de cette personne tuée te voient, pour eux, tu vas leur noircir la vie. Donc l'islam dit, cette personne doit aussi être tuée. C'est pas nous qui le tuons, c'est le gouverneur qui le tue. Sauf si la famille du tué, accepte. Elle dit non, j'accepte. Par exemple, vous me donnez en contrepartie de l'argent. Vous donnez en contrepartie de l'argent. Sinon, ou bien on accepte carrément, on accepte, on ne prend ni argent ni rien. On accepte qu'il ne meurt pas.
Mais ce n'est pas au gouverneur de choisir. Même le gouverneur n'a pas le droit de choisir. Il dit, celui-là, je ne le tue pas. Ce n'est pas lui qui choisit. C'est la famille du tué. De toute façon, on arrête ici, inshallah ta'ala. Il reste beaucoup à dire, mais on arrête ici. On va parler la prochaine fois de ce corbeau-là et de comment ça s'est terminé à la fin. Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour les questions-réponses, inshallah ta'ala. Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour les questions-réponses. Commencez à préparer vos questions. Commencez à préparer vos questions. Je voudrais les questions et rapports ou bien avec le dogme ou bien au moins avec le dogme. Ce n'est pas des questions de chef et jurisprudence. Cela, on les laisse pour les samedis et le mercredi, inch'Allah. Non. On commence par Victor FR. Inch'Allah, je demande que les questions soient sur le sujet et que ce ne soit pas sur le fiqh, la jurisprudence. On la laisse pour samedi et mercredi. Inch'Allah, je prends le point rouge. Mohamed 504, prépare ta question. Merci. Je voudrais savoir pourquoi le poète d'Islam a épousé Aïcha à un âge très jeune. Et j'ai lu dans le Bukhari qu'il a voulu se suicider
Comment se fait-il qu'un prophète se suicide? Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. Je répète, je voudrais savoir pourquoi le prophète Hashim a accusé Aïcha à un âge très jeune. J'ai lu dans le Bukhari qu'il a voulu se suicider. Comment se fait-il qu'un prophète se suicide? Je commence par te répondre, inshallah ta'ala, par Aïcha. Et je vais donner la deuxième réponse. La deuxième réponse à un autre bidin azzawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épousé Aïcha parce que il l'a épousé à cause de son âge. Parce que quand il est rentré, il l'a épousé, il a fait l'acte, c'est-à-dire il a écrit le mariage, ça s'appelle le pacte, elle avait 6 ans. Mais il n'avait pas touché. Mais quand elle avait 9 ans. Premièrement, à 9 ans autrefois, Nam, c'était plus grande de taille qu'à 9 ans de nos jours. Et on a montré qu'à chaque fois qu'on allait vers la fin du monde, nos corps rétrécissaient. Premièrement. Deuxièmement, il l'a choisi comme épouse à cause de son père. Parce que son père, Abu Bakr Siddiq, allait devenir le premier khalifa de l'islam. C'est pour ça que ensuite il a épousé un peu après la fille de Omar ibn Khattab, car il allait devenir le deuxième khalifa de l'islam. Ensuite le prophète alayhi sallam a donné deux filles à Uthman ibn Affan, qui allait devenir le troisième khalif. Ensuite il a donné Fatima à Ali, qui allait devenir le quatrième khalif. Le prophète sallallahu alayhi sallam ne se mariait pas par tentation, mais se marier pour des buts, pour concilier entre des tribus qui faisaient la guerre entre elles, etc. Il épousait une fille de cette tribu, une femme de cette tribu, comme ça, ils vont devenir tous des gendres, donc ils ne vont plus faire la guerre. Autre chose, le plus grand délit, le plus grand, et la plus grande preuve que ce n'était pas un homme de tentation. Son premier mariage, quand quelqu'un va faire le premier mariage, il a 25 ans. Quand quelqu'un va faire le premier mariage, qu'est-ce qu'il fait? Si j'ai 25 ans, je vais faire le premier mariage, je vais me marier avec une fille de 18 ans. Or, son premier mariage, il l'a fait avec une femme de 45 ans, Khadija. Est-ce que c'est possible que quelqu'un, son premier mariage, il a 25 ans, il va le faire avec une femme de 45 ans? C'est pas possible. Il va le faire avec une fille de 17 ans ou de 18 ans. Pas une femme de 45 ans et deux fois mariée. Deux fois mariée, c'est-à-dire le prophète pour elle, c'est son troisième mari. Allahu Akbar. Est-ce que quelqu'un qui a des tentations, il a 25 ans, il va se marier avec une femme qui le dépasse de 15 ans et qui est deux fois mariée avant lui? Ça, c'est le plus grand délit, la plus grande preuve qu'il ne se mariait pas pour les tentations. Naam, al-Qalam, si tu veux continuer, Inch'Allah, tafadhal, prends le micro. Salam alaykoum, wa sallam. Vous m'entendez, cher? Est-ce qu'il y a du son? Cheikh Mohamed. Faible. Le son est faible. C'est bon maintenant, cher? C'est bon? Je voudrais juste rajouter quelques points. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux parmi les non-musulmans, d'abord, qui sont venus écouter aujourd'hui Cheikh Mohamed et aux autres. Et Jazallahu khayran à Cheikh Mohamed wa ahsana ilayh. Je voudrais juste rajouter quelques points. Pour le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, pourquoi Abu Bakr, par exemple, le père de Aïcha, n'avait aucune objection contre son mariage, contre le mariage de sa fille? On se pose encore une autre question, pourquoi la mère de Aïcha, Umm Rumman, n'était pas contre ce mariage? Bien au contraire, les parents de Aïcha étaient pour ce mariage et ils étaient
ils étaient en pleine joie, comme on dit. Pourquoi les Quraïchites, ils disent ces faibles leçons? Ces faibles montants leçons, c'est je fais de mon mieux. Je ne sais pas comment faire. Je fais de mon mieux. Pour moi, tout est normal. Pour moi, tout est normal, cher. Je ne sais pas, cher. Ça va, vous m'entendez maintenant? C'est mieux. Vous m'entendez? Jayid. Alhamdulillah. Pourquoi les Quraïchites, je continue, pourquoi les Quraïchites, yani parmi les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient aucune objection contre le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha? Alors que ces gens-là, les mécréants parmi les Quraïchites, ils cherchaient la moindre occasion pour critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas, cher? Ces gens-là cherchaient la moindre occasion pour critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant, ils n'étaient pas contre ce mariage. On se pose encore une autre question. Pourquoi les mécréants, pourquoi les chrétiens de l'époque, hein, les chrétiens d'Arabie, comme par exemple Nasara ben Nadran, n'étaient pas contre ce mariage-là, hein? Ils n'étaient pas contre ce mariage-là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant, c'est des chrétiens. Pourquoi les chrétiens contemporains se posent ces questions-là? Pourtant, les chrétiens d'Arabie à l'époque qui côtoyaient les Arabes et qui connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux, il y en a parmi eux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont jamais critiqué ce mariage. Pourquoi les juifs trouvaient que ce mariage-là était une chose tout à fait normale? Pourtant, c'était les ennemis les plus redoutables de l'islam à l'époque. Il y a une chose qu'on devrait rajouter. Le mariage de la femme à cet âge-là, comme disait le Cheikh Chalabi, qu'Allah le garde et le protège, vous savez que Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé sa main. Et c'est un homme à l'époque, s'appelant Jubair ibn Mut'an, c'est lui qui a demandé la main de Aïcha radiallahu anha. Ça veut dire que Aïcha, on avait déjà demandé sa main, même avant son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant qu'elle soit mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, encore une autre question, que savez-vous que l'idée du mariage à la base de Aïcha, qu'Allah l'agré, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une idée venue d'une femme nommée Khawla bint Hakim. Pourquoi elle a fait ça? Elle a dit pour renforcer les liens, ou la liaison, je ne sais pas comment vous dites en français, les liens entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son bien-aimé. Qui est son bien-aimé? C'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et à l'époque, c'était une chose, c'était une technique, je dis, pour renforcer les liens entre un homme et son bien-aimé, c'est de que l'homme marie ou épouse la fille de son bien-aimé. Il y a une autre chose aussi qu'on devrait mentionner. Aïcha Tahlagré, notre mère, la mère des croyants, n'était pas la première jeune fille en Arabie qui fut épousée par un autre homme, yani un homme qui avait l'âge de son père. Je vous donne trois exemples. Abdul Muttalib, c'était un vieil homme. Il a épousé qui? Il a épousé Hala. Hala, la sœur de Khadija. Hala, bint Khuwaylid. En même temps où le plus petit de ses fils, qui est Abdullah, s'est marié avec Amina. Qui est Amina? Amina bint Wahb. Qui avait l'âge de qui? De Hala. Ça, c'est le premier exemple. Omar ibn al-Khattab a épousé la fille de qui? La fille de Cheikh Ali ibn Abi Talib. Alors que Ali ibn Abi Talib avait l'âge. Alors que Omar ibn al-Khattab, pardon, avait l'âge de son grand-père, yani de la fille de Ali. Il y a aussi un autre exemple. Omar ibn al-Khattab lui-même, il a proposé à Abu Bakr d'épouser sa fille.
Alors que la différence d'âge entre Abu Bakr et la fille d'Omar ibn al-Khattab était grande, n'est-ce pas? Jayyid. Maintenant, j'espère que je n'ai pas tardé, hein, cher, pour les autres. J'espère que je n'ai pas tardé. Alors, il faut noter, comme a dit le cher, que scientifiquement, il faut noter que les filles dans les endroits là où il y a de la chaleur, comme en Arabie par exemple, elles atteignent l'âge de la puberté à un âge très très jeune. Tout comme il est possible, yani, que la fille atteigne l'âge de la puberté à 20 ans ou à 20 ans, à 21 ans, dans des endroits très froids. Pour ceux qui ont des doutes de ce que j'avance, ils doivent me contacter pour que je puisse leur donner des preuves scientifiques et des liens scientifiques pour qu'ils puissent voir, pour ne pas tarder, parce que c'est le temps du cher. Maintenant, on se pose une autre question, je rajoute. Est-ce que Aïcha, après toutes ces années, après son mariage avec le prophète, est-ce qu'elle a aimé le prophète ou pas? C'est ça la question qu'on se pose. Bien sûr qu'elle l'a aimé. Je donne une toute petite preuve. Je voudrais que vous me mettiez faire la traduction du sens de ce verset-là. Donc, sourate Al-Ahzab, donc c'est la sourate numéro 33. Je voudrais que vous mettiez un copier-coller du verset numéro 28 et le verset numéro 29. Allah Azzawajal dit: Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Lorsque ce verset-là a été révélé, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Donc le cheikh va nous mettre la traduction du sens de ce verset, car j'aurais mal à le traduire, sincèrement. Donc c'est le verset numéro 28, numéro 29 de Sourate Al-Ahzab. Barakallahu fikoum. Ô prophète, regardez, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous demanderai les moyens d'en jouir, je vous demanderai les moyens d'en jouir, et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Voilà. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Après la révélation de ces versets-là, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à leur tête, Aïcha. Aïcha aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fin pour la réponse. Je voudrais juste, bien sûr, si je ne sais pas que vous êtes catholique ou protestant, peut-être catholique, Victor, parce que la plupart des Français sont catholiques, je voudrais juste parler de la Bible. Si le cheikh me permet, le cheikh, ça ne va pas prendre plus de 50 secondes, Inch'Allah. Cheikh Mohamed, parce qu'ici, on a donné des preuves de l'islam que c'était un mariage normal, et Alhamdoulilah, c'était connu. Maintenant, dans la Bible, je sais que le problème avec nos amis chrétiens, qu'Allah les guide et nous guide vers le bon chemin, vers le chemin droit, le chemin de l'islam. Je sais que le problème, c'est qu'on ne leur explique pas la Bible. Si vous prenez par exemple Genèse, chapitre numéro 46, verset numéro 12, on trouve que l'un des descendants de Yaakov, yani Jacob, selon la Bible, il avait 6 ans lorsqu'il s'est marié. Il avait 6 ans. Genèse 46, 12. Donc Genèse, chapitre 46, verset numéro 12. Et les fils de Judas, Er et Onan et Shéla et Pérez et Zérak et Er et Onan moururent dans les pays de Canaan. Et les fils de Pérez furent Ron et Hamoul. C'est des noms juifs, vous voyez. Si on commence nos calculs de la Genèse 32 jusqu'à Genèse 46-12, je ne vais pas rentrer dans les détails, contactez-moi. Jusqu'à ce verset, nous allons constater qu'au maximum, hein, Pérez avait l'âge de 6 ans quand il s'est marié. Est-ce logique, chers amis chrétiens et juifs? La dernière chose, c'est l'âge de, hein, chef Chalabi, l'âge de Mariam chez les chrétiens. L'âge de Mariam pour les catholiques. Vous savez que les catholiques disent que
Mariam s'est mariée avec Joseph, avec Youssef. Quel âge avait Youssef lorsqu'il s'est marié avec Marie? Et quel âge avait Marie, Mariam, lorsqu'elle s'est mariée avec Joseph? Selon les chrétiens. Retenez vos souffles. Mariam avait 12 ans. Joseph avait 90 ans. Nous n'avons aucun problème avec ça. Nous n'avons aucun problème avec ça. Mais c'est vous qui avez des problèmes avec Aïcha. Donc vous devriez parler de Mariam avant de parler de Aïcha. Fin de la réponse. Exactement, cher. Fin de la réponse. Est-ce que je réponds à la deuxième question? Je réponds à la deuxième question, cher. Ici, le temps, c'est le temps de l'heure, عندنا. La réponse, la deuxième question du frère, de notre invité, la deuxième question c'est, voici je voudrais savoir pourquoi le prophète des jeunes, et j'ai lu, regardez, dans Al-Bukhari, dans Sahih Al-Bukhari, qu'il a voulu se suicider, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ce que prétend notre invité Victor, il a voulu se suicider. Comment se fait-il qu'un prophète se suicide? Il a dit dans Sahih al-Bukhari, si vous cherchez dans tout Sahih al-Bukhari, vous allez trouver une narration. Est-ce que cette narration-là est authentique ou pas? Sachant que ce n'est pas un hadith. Vous savez, ce que rapporte l'imam al-Bukhari dans son Sahih est authentique. Si c'est un hadith, mais si ce n'est pas un hadith, ce n'est pas obligatoirement un hadith authentique. Ce n'est pas obligatoirement une narration authentique. Je ne sais pas si vous avez compris, le cheikh va vous expliquer scientifiquement. Alors je vous rassure que cette narration-là qui dit que le prophète a voulu se suicider n'est pas un hadith, mais c'est une quoi? C'est une balara, une balara des Zuhri. Je ne sais pas comment traduire ça, cheikh. Donc c'est une narration qui n'est pas mentionnée dans un hadith. Mais l'imam al-Bukhari لم يوردها على أنها واقعة صحيحة ولكنه أوردها تحت عنوان البلاغات يعني أنه بلغه هذا الخبر مجرد بلاغ. Ça veut dire que c'est une histoire qui est parvenue à l'imam al-Bukhari et qu'il a écrit. Sauf qu'il m'a rapporté que, voilà, il m'a été rapporté que. Donc ce n'est pas un hadith. Et moi je voudrais juste vous lire juste le muqaddima de ce que dit l'imam al-Bukhari sur cette narration qui n'est pas un hadith mais qui est une balagha. وقد علق الإمام ابن حجر العسقلاني بفتح الباري بقوله إن القائل بلغنا كذا هو الزهري وعنه حكى البخاري هذا البلاغ وليس هذا البلاغ موصولا يعني هو مقطوع يعني une chaîne de transmission dans une chaîne de transmission qui est coupée. وبلاغ الزهري هذا حكمه الضعف سندا. Et cette narration-là qui est rapportée, non pas dans le Sahih, mais dans les titres, dans les balagat, c'est une narration qui n'est pas authentique. لِأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ إِسْنَانْ عَلَى الْأَقَلْ. Car dans la chaîne de transmission, il y a deux personnes qu'on ne trouve pas dans la chaîne de transmission. C'est pas, le chef vous expliquera, Inch'Allah. Donc, pour aller plus vite, contactez-moi, Inch'Allah, et je vous donnerai tous les détails, bi'idhnillah. Qu'Allah nous guide et vous guide. Je voudrais bien sûr répliquer avec un verset dans la Bible, cher Tchalabi. Je voudrais répliquer avec un verset dont on a vu que le fait qu'on prétende que le prophète a voulu se suicider est une chose qui n'est pas authentique du tout, mais dans la Bible, on trouve que Saul, qui est considéré comme étant un prophète selon les Juifs, on trouve que Saul s'est suicidé. Preuve. La preuve, c'est le livre de Samuel 1. Donc vous lisez chapitre 24, verset numéro 19, pour voir que les Juifs considéraient Saul comme étant un prophète. Et Saul s'est suicidé. C'est dans le chapitre numéro 11, verset numéro 2. C'est Samuel 1, du verset 4 au verset
numéro 11. Donc si on accuse, si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu se suicider, d'abord, ce n'est pas authentique, ce n'est pas vrai, hein? Disons que oui, il a voulu se suicider. Donc vous dites que ce n'est pas un prophète. S'il n'est pas un prophète, alors Saul n'est pas un prophète. Et pourtant vous le considérez comme tel. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدي فيكتور إلى الإسلام. كالله في جيد notre cher invité Victor, parce que je remarque que c'est la deuxième fois qu'il vient dans le salon et je demande à Allah Azza wa Jalla qu'il le guide vers l'islam. Allahumma amin. À vous la parole, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi sawt al-qalam. Naam, jazakallahu khayran. طيب pour cette réponse, يعني il y avait beaucoup de détails, jazakallahu khayran. Maintenant, inshallah ta'ala, on va continuer avec les autres questions. Et en ce qui concerne ce que tu as dit sur le Bukhari et Balaghat, cette chose-là, je crois que ne peut la comprendre que ceux qui ont étudié ce livre, car dans ce livre, il a dit dans le Muqaddima, dans l'introduction, dans la préface, il a dit que yani, je ne me porte garant que de ce que j'ai mis comme hadith, comme récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui commence par X m'a dit, que le prophète a dit. Mais il a dit que les titres, non. Dans les titres, quand il pose un titre comme ça, que X a voulu faire cette chose, ou la telle femme a fait cette chose, il a dit les titres, je n'ai pas yani, cherché comme j'ai cherché dans les hadiths. Je n'ai pas, yani, ne prenez pas de moi, c'est vous qui devez aller chercher. Est-ce que c'est yani, fiable ou bien ce n'est pas fiable. Et c'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a expliqué le Bukhari mieux que Ibn Hajj al-Asqalani. Et lui-même a dit, il a dit, ce balagh, ce qu'a dit ici le Bukhari, sans chaîne de transmission, il a dit, c'est faible. Des fois, il dit des choses sans chaîne de transmission et elles sont fiables. Quand on suit la chaîne, on va chercher la chaîne, on la trouve. Mais dans cette question de suicide, on a cherché la chaîne, on n'a pas trouvé. Ils ont dit, c'est un hadith. Ce n'est même pas un hadith, mais c'est quelque chose qui a été rapporté, mais d'une façon qui n'est pas fiable. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Mohamed 054, ça fait de l'âge. Pardon si Victor, je te donne un. Je mets le rouge juste pour que chacun soit yani, à sa place dans la liste. Non. Et s'il y a une autre question, inshallah, on revient par en bas. Mohamed, ça fait de l'âge. Je ne sais pas si Mohamed est là, de toute façon, alhamdulillah. Assalamu alaikum, Vous avez dit qu'il n'était pas temps de connaître les noms de certains prophètes, comme le cas de Zadam. Vous avez dit que vous avez expliqué. Peut-être que vous pouvez réexpliquer. Quel livre avez-vous utilisé pour la vie d'Adam? Naam, je dis que des fois, quand j'ai dit ici les noms, ce n'est pas les noms des prophètes. Je parlais des noms en général. Les noms en général, des fois, on n'est pas obligé de les connaître. Même si c'est... qui sont parfois des noms des prophètes. D'ailleurs, la preuve, c'est que le Coran a cité beaucoup de noms. Il a dit « Minhum man qasasna alik »« Yani min qab » »« Wa minhum man lam naqsus alik » Il a dit, yani certains, il n'a seulement, c'est pas seulement il n'a pas cité les noms, mais il n'a même pas cité leur vie. Certains prophètes, on ne les connaît pas, il n'a même pas cité leur vie. J'ai dit que, ici, en ce qui concerne, Qabil ou Habil, je me bats sur le livre de Ibn Kathir, qui est très connu comme le meilleur exégète, le meilleur qui a avoir traduit le Coran. Et ce livre a été Mukhtasar, c'est-à-dire on a enlevé de ce livre de Ibn Kathir, on a enlevé toutes les choses qui ne sont pas vraies, toutes les choses en plus et qui n'ont pas une chaîne de transmission vraiment yani, fiable et vraie, on les a supprimé. Alors c'est le livre de Sahih al-Qasas, Sahih Qasas al-Anbiya. Il s'appelle comme ça, Sahih Qasas al-Anbiya de Sheikh Salim al-Hilali, l'adepte de Sheikh al-Albani, rahimahullah. Naam, Sahih Qasas al-Anbiya. Naam.
pardon, je vais te donner le point rouge. Abu Hudayfa, tafaddal. Fika barakallah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Lorsqu'on arrive au passage où on doit se prosterner dans le Coran, que doit-on faire d'autre? La femme doit-elle se voiler? Qu'Allah vous récompense. Amen. Il n'est pas, la femme n'est pas obligée de se voiler pour se prosterner. Regardez ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on n'est pas obligé de faire. La femme n'est pas obligée de se voiler. Et la femme et l'homme ne sont pas obligés d'être avec les ablutions. C'est-à-dire, sans ablution, tu te prosternes. Et tu n'es pas obligé de chercher où est la direction de la Qibla. Tu te prosternes dans n'importe quelle condition. Et ce n'est pas obligé de se prosterner. Tu ne veux pas te prosterner, tu ne te prosternes pas. Et ce n'est pas obligé de dire Allahu Akbar. Tu te prosternes directement sans dire Allahu Akbar. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Shams, tafaddal. Fika barakallah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ma réponse va vous paraître surprenante en effet. Je sais qu'un musulman digne de ce nom ne se rabaissera pas à un acte aussi atroce. Mais que se passera-t-il dans le pire des cas où un musulman cherche à nuire à son frère en essayant de le tuer? Faut-il se laisser tuer? Je répète la question. Je sais qu'un musulman digne de ce nom ne se rabaissera pas à un acte aussi atroce. Mais que se passera-t-il dans le cas où un musulman cherche à nuire à son frère en essayant de le tuer? Faut-il se laisser tuer? J'avais dit tout à l'heure, hein, est-il vrai que le prophète Moïse a reproché à notre Adam, à notre père Adam, alayhi salam, de nous avoir fait sortir du paradis par désobéissance? Quant à la première question, les savants ont dit que le prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il a dit que yani, qu'il fallait être comme le meilleur des deux fils d'Adam. Si quelqu'un veut tuer, il a dit, sois comme le meilleur des deux fils d'Adam. C'est-à-dire, laisse-le, ça soit lui le criminel et toi le tuer. Et il a dit dans un autre hadith, salam wa barakatuh, il a dit dans un autre hadith, si c'est la fitna, etc., alors prends une épée en bois. Comme ça, tu es sûr de ne pas tuer les gens. Le Qurtubi, rahimahullah, a dit, ces deux hadiths, on doit les mettre dans leur contexte. C'est-à-dire, quand il y a la fitna, il y a une agitation, et on ne sait pas où est le vrai du faux, ne tue personne, même si c'est lui qui te tue. Mais, il a dit, le Qurtubi, mais quand tu sais que c'est toi qui es sur le vrai, et c'est l'autre qui est sur le faux, et c'est lui qui veut te tuer, il a dit, dans ce cas, si tu le tues pour te défendre, ce n'est pas interdit en islam. Naam. Tu, pour blâmer, pour condamner le blâmable. C'est Naam Munkar. Naam. Il a dit, mais le fait de ne pas tuer et de prendre une épée en bois, c'est quand il y a la fitna et l'agitation, on ne sait plus qui est dans le vrai, qui est dans le faux. C'est comme par exemple la guerre entre les sahaba, entre les compagnons. Là, il vaut mieux faire comme Abdullah ibn Omar, etc., et rester à la maison. Mais quand quelqu'un voit que c'est lui qui est dans le vrai chemin et l'autre dans le faux, s'il tue, il n'aura pas, pour se défendre, je dis, il n'aura pas de péché, Inch'Allah, au Ta'ala. Naam. Ensuite, en ce qui concerne le hadith, deuxième hadith, il est vrai, il est dans Sahih Bukhari, que Moïse, que la paix soit sur lui, a dit à Adam a.s. pourquoi tu t'es fait sortir du paradis toi et ta progéniture. Ça veut dire toi, tu t'es fait sortir du paradis et tu nous as fait sortir nous aussi. Alors Adam a.s. lui a répondu, ne sais-tu pas que 40 ans auparavant, Allah Ta'ala avait écrit cette chose. Ici, les savants ont dit,
en islam, il est interdit de se baser sur le destin pour s'excuser en faisant des péchés. Quelqu'un qui boit de l'alcool, on lui dit pourquoi tu bois de l'alcool? Il dit c'est le destin, c'est le Seigneur qui a écrit cela. Quand il veut me guider, j'arrêterai. Pourquoi tu voles? C'est le destin. Tout ça est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge sur Allah le Seigneur. Tu mens. C'est pas lui qui a, s'il a écrit cette chose, il ne t'a pas forcé à la faire. Il savait qu'il allait la faire, il l'a écrit, c'est tout. Mais il n'a pas écrit, on t'a forcé à la faire. Mais les savants ont dit, si quelqu'un, après avoir fait le péché, et qu'il a fait le repentir, il a regretté, il a demandé pardon à son Seigneur, il a dit, dans ce cas, il peut dire que ça a été long et beau, etc. Après, lorsqu'il a fait le repentir, il est revenu vers Allah, etc., quelqu'un va lui dire, pourquoi tu as fait ces choses-là? Il répond, c'était écrit. C'était écrit. Là, c'est juste. Et dans le contexte, parce qu'il reconnaît que cette chose a été écrite et que c'est moi qui avais fait la faute d'avoir tué, d'avoir pris de l'alcool, etc. Mais jamais, jamais, on ne peut en même temps faire le péché, en même temps se baser sur le destin et dire que c'était écrit. Non. Vous voyez ici, Adam, quand il a regretté, il a demandé pardon, comme c'est dans le Coran, ensuite quand Moïse, lui a fait cette polémique, si je puis dire, cette discussion, il lui a répondu que quoi? Il lui a répondu que c'était écrit. C'était écrit il y a 40 ans avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous crée. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Naam. Jamais 38, ça fait de là. D'ailleurs, je n'oublierai pas une chose aussi importante. Le qalam, est-ce qu'il y a le son? Non. Est-ce qu'il y a le son, le qalam? Non. Alhamdoulilah, barakallahu fik. Une chose aussi très importante ici, dans la réponse de Adam alayhi salam, très très importante, quand il a dit que c'était écrit, c'est-à-dire que, ensuite, c'est-à-dire, il lui a répondu comme ça, il lui a dit, est-ce que tu m'en veux pour une chose que Allah Ta'ala a écrite 40 ans avant de me créer, tu m'en veux? Il parlait de quoi? Il parlait de le fait d'avoir eu comme châtiment et comme punition d'être expulsé du paradis. Non. Car Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement mangé de l'arbre, c'est-à-dire il a désobéi à Allah. Mais est-ce que Adam, c'est lui qui a voulu qu'on sorte du paradis? Il n'a pas voulu ça. Adam a mangé de l'arbre, mais il ne savait pas que s'il mangeait, on allait sortir, qu'il allait sortir, lui et toute sa progéniture du paradis. C'est pour ça qu'il lui a dit, c'est l'aumône, tu m'en veux pour une chose que, c'était écrit, c'est pas moi qui ai fait cela, moi j'ai seulement mangé de l'arbre. J'ai désobéi à son Seigneur, c'est tout. Mais c'est pas moi qui vous ai fait sortir du paradis. C'est Allah qui a décidé, qui a écrit cela. Naam. Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, j'ai un grave problème. Quand je suis bien vis-à-vis de Dieu. Et quand je suis pas bien, c'est pareil. Vis-à-vis de Dieu, je pense mal. Du matin au soir, excusez-moi pour la question. C'est important pour moi. Naam. Tant que je comprenne bien. J'ai compris la première phrase. Quand je suis bien vis-à-vis de Dieu. Et quand je suis pas bien, c'est pareil. C'est pareil, ça veut dire je suis pas bien. Ça veut dire je suis pas bien vis-à-vis de Dieu. Je pense mal du matin au soir. Excusez-moi pour la question, etc. Naam. Akhi Jamal 38. Jazakallahu khairan. Le musulman et le croyant, c'est celui qui est bien vis-à-vis de son Dieu et de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit bien ou qu'il soit pas bien. Car s'il est bien, il dit Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatim salihah, il remercie Allah. S'il n'est pas bien, il se plaint de son nefs, de son âme à lui et de ses shayatin et de ses diables. Et il ne dit pas c'est Allah qui est la cause.
c'est le Seigneur qui est la cause. Jamais. Le Seigneur ne fait que le bien et ne nous aime que le bien. Si on trouve du bien dans notre cœur et de la tranquillité, etc., on remercie Allah Ta'ala qui nous a donné cette chose. Naam. وَمَبِّكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ce qu'il y a de bienfait, c'est d'Allah. C'est comme ça dit le Coran. Et il y a aussi le hadith qui dit que مَا أَصْبَحَ بِمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِيَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ لَا شَرِكَ لَهُ. Tout le bienfait, tout bienfait que j'ai chaque matin, moi ou n'importe quel être humain, c'est de toi, ya Allah. C'est de toi, au Seigneur. Donc, si je trouve dans mon cœur du bienfait et je trouve que je suis heureux, etc., je remercie Allah Ta'ala. Si je trouve le contraire, je dois me plaindre mon âme et me faire des remords. Et non pas, yani, dire que c'est Allah qui m'a fait cela. C'est mon nefs, c'est mes diables, c'est mes tentations, c'est mes passions. Je dois leur faire la guerre. Je dois leur faire la guerre pour qu'elles soient enlevées chemin. Mais je dirais que tu m'en prends à Dieu. Justement, quand tu te prends à Dieu, c'est là la grande faute. Naam. C'est là la grande faute. Mais, yani, la piété, c'est de quoi? C'est de s'en prendre à soi-même. Non, il faut s'en prendre à soi-même et à son nefs, à son âme, au shayatin, et ne s'en prendre jamais à Dieu. Non, au contraire, si je sors de là où est tout brûlé, ya Allah, ô Seigneur, je reconnais que tu ne fais que le bien, tu ne m'as donné que le bien, tu cherches mon bonheur, tu cherches mon pas, c'est moi qui ne suis pas dans le bon chemin, c'est moi qui suis Satan, c'est moi qui suis moi. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va te guider. Et si maintenant tu vas dire c'est lui qui m'a fait du tort, c'est lui ceci, c'est lui cela, là il risque de châtier la personne et de lui en donner encore beaucoup plus et de lui sceller le cœur pour qu'il ne voit jamais la vérité. Donc, je dois y aller. تفضل القلم جزاك الله خير بارك الله فيك مو سي جي اي تي تفضل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احبك الذي احببتني له نعم جمال ان شاء الله تعالى te plaindre يعني de soi-même et de son âme et de ses tentations et dire que Allah تعالى ne nous veut que du bien et qu'il ne nous cherche que le bonheur et le paradis. C'est pour ça que les ulama disent, c'est ce que disent les savants, ils disent les gens, il y a trois ou quatre sortes. Hein, quand ils ont des malheurs, les gens, il y a trois ou quatre sortes. Il y a trois sortes. La première sorte qui... La première sorte qui se plaint des gens au Seigneur. C'est-à-dire, il dit au Seigneur, regarde ce que m'a fait cette personne, etc. Cette personne, etc. Yani, prends-moi la vengeance. Ceux-là, ce sont les moyens. Ensuite, il y a les plus mauvais. Les plus mauvais, ceux qui se plaignent d'Allah, du Seigneur, aux gens. Ils disent aux gens, regardez le Seigneur ce qu'il m'a fait. Regardez le Seigneur, il m'a pris tous mes enfants. Tous mes enfants sont morts. Il m'a donné toutes les maladies. Il m'a pris tout mon argent. Il ne donne que les malheurs. Celui-là, astaghfirullah, il n'y a pas plus mauvais que cette personne. Astaghfirullah. Ensuite, il y a la meilleure personne numéro 3, c'est celle qui se plaint d'elle-même au Seigneur. Celle qui dit, oh Allah, tout ce qui m'arrive comme malheur, ici dans ce monde, et de mal, etc., c'est à cause de moi-même. Comme a dit le Coran, bimak esef eidikum. À cause des fautes que je fais, à cause de la désobéissance que je fais, à cause des détournements de son chemin que je fais. C'est pour ça, ya Allah, je me plains de moi-même. Naam, ce sont les pieux et les meilleurs. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse deux, inshallah ta'ala. Fizdaus, 13 015, ça fait bien. Nous sommes maîtres de notre propre âme. Mais lorsqu'une personne est possédée, comment réagit son âme? Quand une personne est possédée par un diable, par exemple,
c'est les moments où elle ne sait plus ce qu'elle dit, où elle ne sait plus ce qu'elle fait, où c'est pas elle, par exemple, qui pense, dans ces moments-là, tout ce qu'elle fait ne compte pas contre elle. Dans ces moments-là, dans les moments de possession, tout ce qu'elle fait ne compte pas, contre elle. Et ça ne compte que lorsque elle est consciente. Lorsqu'elle est en pleine conscience et qu'elle fait ces choses même. Sinon, ça ne compte pas pour elle. Pourquoi? Parce que la personne est possédée. Non, la personne est possédée. Donc, elle n'a, et Annie, c'est-à-dire, elle est excusée. Elle est excusée de Ibn Allah Azzawajal. Non. Oui, mais où est son nom? Une seconde, j'ai pas compris, Oum Sefouddin, est-ce que c'est toi que je dois monter ou là une autre? J'ai pas compris, hein. Oum Sefouddin. Attendez, Oum Sefouddin, نعم voilà. Donc oui, mais où est son âme? Son âme est avec elle, mais son âme a été possédée. C'est-à-dire, c'est le diable qui est avec lui, maintenant c'est lui qui commande. C'est un peu comme une personne qui est devenue sourde. Une personne qui a pris de l'alcool, elle en a pris. Gagné beaucoup. Maintenant, son âme, où est-ce qu'elle est? Elle est en son intérieur, mais c'est pas elle qui commande. Elle dit des choses qu'elle veut pas dire, elle fait des choses qu'elle veut pas faire. Maintenant, c'est la même chose. Au lieu que ça soit de l'alcool, maintenant, c'est un diable. C'est un diable qui est à l'intérieur, et c'est lui qui prend comme ça son âme, et c'est lui qui la commande. Ah. C'est pour ça que, quand on frappe, quand elle est la personne en pleine possession, si on la frappe, on va pas lui faire mal. C'est le diable qui va avoir mal à l'intérieur et qui va crier, arrêtez de me frapper, je vais sortir, etc. Non. On dit en arabe, talabda sabiha. Non. Shiki barakallah. Abu Halima, tafaddal. Abu Halima, tafaddal. Wa alayka salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ma question sur le dogme, inshallah. Sachant que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui n'est pas miséricordieux envers eux, parlons des enfants, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Donc, comment je peux faire pour expliquer miséricorde? C'est un attribut d'Allah pour entrer dans le tawhid. Pardonnez-moi pour ma question, mais c'est ce que j'ai en tête depuis ce matin. Naam. Faut que je médite un peu parce que j'ai pas compris la question. Non. Celui qui n'est pas miséricordieux envers eux. Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. Non, Wasmak, Abu Halima. Non, Abu Halima, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a une miséricorde, une vraie miséricorde. Mais, ça ne veut pas dire que sa miséricorde, c'est comme notre miséricorde. Ça ne veut pas dire que c'est comme il a une vie. On n'a pas la même vie. Il a des yeux, on a des yeux. On n'a pas les mêmes yeux. Ça, il descend et on descend. Moi, je descends de l'échelle et lui, il descend vers le premier ciel. Mais on n'a pas la même descente. D'ailleurs, moi, je descends. Je laisse ma place d'en haut pour descendre en bas. Et lui, il descend sans laisser le trône. Un moyen. Donc, moi, ma miséricorde, c'est droit. C'est d'être bien avec les enfants, c'est de ne pas les frapper, c'est de leur pardonner, c'est de leur acheter des choses, etc.
et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de nous pardonner nos péchés, de nous faire rentrer au paradis et de nous pardonner, etc. En fait, comment répondre à une personne qui dit, mais une personne qui dit, mais une personne peut faire preuve de miséricorde parce que... Non. Regarde, Allah ta'ala a dit dans le Coran, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ اتْبَعُوَا أَذَا. Allah ta'ala dit dans le Coran, quand tu dis à quelqu'un une bonne chose, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ, et tu pardonnes à un autre. Il a dit مَغْفِرَةٌ. Il a dit وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَا. Dis à ceux qui ont cru, يَغْفِرُوا, de pardonner. Naam, il a appelé ça مغفرة. Nous on fait la مغفرة, Allah Ta'ala fait la مغفرة. Nous on pardonne les fautes que les gens ont fait avec nous, Allah Ta'ala nous pardonne les fautes que nous on a fait avec lui. Mais nous on pardonne en, par exemple, ne pas frapper et ne pas aller à la police, et lui te pardonne, par exemple, en ne pas te faire rentrer à Jahannam, mais en te faisant, par exemple, rentrer directement au paradis ou bien de là-bas. Donc ce n'est pas grave. Je viens de dire tout à l'heure, grâce à la vie, nous on a une vie. À voir, nous on voit. Allah entend, nous on entend. Allah descend, nous on descend. Allah se met en colère, nous on se met en colère. Allah rit, nous on rit. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Il n'y a pas. Il n'y a pas, ce sont seulement des noms. Donc, Allah Ta'ala a une maghfira et nous on a une maghfira. Et chacun a sa propre maghfira. Inch'Allah Ta'ala, Abu Halim, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris ou là je recommence? Dis-moi, Inch'Allah, tu as. Barakallahu fi, Alhamdulillah, j'ai compris. Alhamdulillah, Jazakallahu khair. C'est une ressemblance seulement dans les noms. Seulement dans ces noms. Dans les noms. Naam. Allah Ta'ala a une vie et nous on a une vie. C'est pas la même vie. Allah Ta'ala descend, nous on descend. C'est pas la même chose. Et comme ça. Naam. Ibn al-Akhdar, tafaddal. L'Akhdar, ça fadda l'Inch'Allah Ta'ala. Soyez, assalamu alaikum, wa alaikum salam. Vous avez cité ce hadith, quand deux musulmans se rencontrent, brandissant l'épée l'un contre l'autre, le meurtrier et le tué iront tous deux en enfer. Les compagnons disent, oh messager d'Allah, le trait du meurtrier est clair, il ne faut pas le tuer. Il dit, le tuer cherche une autre à tuer l'autre. J'aimerais savoir, est-ce que le hadith est valable pour les partisans de la bataille qui a opposé Mu'awiyah et Ali ibn Talib, Ali ibn Talib, Ali ibn Abi Talib. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il est permis de lire les livres de Cheikh Youssouf Qaradawi et Mohamed Ghazali? Pour la première question, ce qui s'est passé entre les Sahaba ne s'applique pas à ce hadith. Non. Car ce qui s'est passé entre les Sahaba était basé sur le ta'wil. Ta'wil, c'est-à-dire chacun croit que il va défendre l'islam. Qui s'est passé entre Ali et Mu'awiyah radiallahu ta'ala, chacun voulait défendre l'islam et dire c'est nous qui sommes sur la vérité, c'est nous qui nous sommes avec le vrai khalif. Le vrai khalif c'est Mu'awiyah et c'est pas Ali. Et les autres vont dire c'est Ali, ce n'est pas Mu'awiyah, et ils ne voulaient pas la guerre. C'est quelqu'un, un petit groupe qui ont fait la fitna entre eux et ils ont commencé à s'entretuer. Donc cela ne rentre pas dans le hadith, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que radiyallahu anhum wa radu anhu, il a dit je les ai agréés et que yani il a dit qu'il les attend bi'idhna azza wa jil. Mais le hadith s'applique sur ceux qui prennent l'épée, naam, ceux qui prennent l'épée car ils ne veulent pas le haq, c'est pas à cause du din. Encore même si par exemple de nos jours des gens vont prendre l'épée, ils disent à cause du dîme, ce ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que il y a les ulama auxquels il faut demander, est-ce que je prends l'épée, je vais au djihad ou bien je ne prends pas, est-ce qu'on est au djihad ou est-ce qu'on n'est pas au djihad. Ce n'est pas comme
en s'assurant dans certaines salles, il te dit on est au djihad, c'est le djihad, etc. du matin au soir. Et eux, bien sûr, ils ne vont pas faire le djihad, ils restent là. Ils sont là en France, en Europe, en Angleterre. C'est du djihad, ma djihad. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce sont des menteurs. Et ils te disent qu'il n'y a pas de roulama, je ne demande à personne. Alors que Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, quand c'est question de djihad ou ce n'est pas djihad, même un alim, un savant ne peut pas rire. Il faut que ça soit un grand savant, pas un savant. Il faut que ça soit un grand savant, c'est à lui qu'on demande de prendre l'épée et de faire le djihad ou ce n'est pas le moment. Un moyen de ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est autre chose. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les frères et les sœurs qui rentrent dans les salles de tekfir et de djihad et on les fait remplir d'air, comme ça on les fait remplir comme un ballon, on les fait remplir d'air, alors qu'on les détourne de la science et de la aqidah. On les détourne de la science et de la aqidah. C'est pour ça, vous trouvez que c'est très facile de rester dans une salle où il y a le djihad et de parler, on a tué 6, on a tué 10, etc. C'est très très facile, mais de rester comme ça, écouter un dars et de suivre le dars une année et d'écrire et de noter et poser des questions, ça ils ne peuvent jamais. Non, ils ne peuvent jamais. Mais rentrer comme ça dans une salle de parler de djihad, on a tué, on a fait une bombe, et on rit, on plaisante et on discute, tout ça, c'est facile. Et comme j'ai dit, si jamais il y a le djihad, ce seront les derniers qui iront. Ceux qui sont en train de parler du djihad du matin au soir, ce seront les derniers qui iront au djihad, s'il y aura un jour le djihad. Allah Ta'ala dit dans le Coran, يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الله تعالى dit, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé au djihad, comment ils ont tué, etc. Ils demandent ça, mais s'ils étaient avec vous, jamais ils n'auraient fait cette chose. Non. Jamais ils ne seraient partis au djihad, même s'ils partiraient, ils se cacheraient et ne sortiraient pas pour la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guérisse de cette maladie de l'hypocrisie. Ensuite, en ce qui concerne la deuxième question, est-il permis de lire les livres de Cheikh Youssef Qaradawi et Mohamed Ghazali? En fait, il vaut mieux éviter de lire les livres de ces deux personnes. Il vaut mieux éviter de lire les livres de ces deux personnes qui sont connues, qui ne sont pas dans le manhaj des salafiyyin. Naam. Il vaut mieux lire d'autres livres, Inch'Allah Ta'ala, comme les livres des savants, des grands savants, que de lire les livres de ces deux personnes qui sont connues, qui ne sont pas avec le manhaj salafi, mais qui, l'un d'entre eux est même connu comme être contre le manhaj salafi. Naam. Tafadhal Hassan 830. Il reste 10 minutes, Inch'Allah. Il est chez moi, minuit 20, minuit 30, Inch'Allah. On vous laissera, bi'idhnah, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Salama 57. Je ne sais pas votre. C'est qui? En qui le tour, je ne sais pas. Hassan 830. Wa alaykum salam, rahmatullah. Hassan Allah, il est que ma question, Inch'Allah, est aqida, Inch'Allah. Je veux savoir, mille fois, dit que Cheikh de la terre à Allah Azza wa Jal. Les distances connues du Coran et de la Sunna. La terre, les sept cieux, les sept dos, les sept montagnes, l'arche, le couche, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce vrai que l'ange de la trompe qui témoigne, qui fait environ sept cieux, mais c'est une mouche auprès d'Allah barakallahu fikoum? Je crois qu'il y a une histoire d'anneau dans le désert. Non, l'histoire d'anneau dans le désert parle de la grandeur et l'immensité du repose-pied, le coursier, car le coursier, ce n'est pas une chaise, c'est encore moins le trône. Car, comme tu dis toi, le hadith de l'histoire de l'anneau, il parle du repose-pied, il dit, yani, par rapport au trône, yani, c'est comme une base jetée dans le désert. Donc, le hadith fait bien la différence entre le coursier, qui est le repose-pied, et le trône. Enfin, beaucoup expliquent le coursier comme quoi c'est le trône et c'est un malheur. Non, en ce qui concerne ce que tu viens de dire, la terre, les sept cieux, les sept dos, les sept
العرش الكرسي الله سبحانه وتعالى. Est-ce que l'ange de la trompe est immense? Naam, naam. L'ange de la trompe est immense. C'est pas seulement lui. Les huit qui tiennent le arche, le trône. Les huit qui le tiennent, ce sont les plus immenses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de parler de l'un d'eux. Il a dit, il a les pieds ici sur terre ou sous la terre, Allahu alam. Et sa tête, il a le cou plié sous le trône. Il n'y a pas de place, il doit plier le cou, sinon s'il n'y avait pas le trône, il serait plus haut. Mais comme il n'y a pas plus haut que le trône et que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, donc celui-là va plier son cou. Alors imagine, son cou qui est sous le trône et ses pieds qui sont ici sur cette terre ou dans la septième terre. C'est vraiment quelque chose Naam, subhanallah al-azim. Quelque chose qu'on ne peut pas croire. Et alhamdoulilah que Allah Ta'ala ne nous a pas montré ces créatures, sinon on serait devenu fou ou là, n'importe. Comme tu serais tombé malade là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu seulement Jibril deux fois, et à chaque fois il allait à la maison en tremblant, parce qu'il l'a vu comme ça avec des ailes couvrant toute l'horizon, avec 600 ailes couvrant tout l'horizon. Et Jibril alayhi salam, Allah al-Azim, la hawla wa la quwwata illa billah, le jour là on verra. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نزل. Ce jour-là, il n'est pas loin. Comme a dit Allah Ta'ala, il le voit loin, mais on ne le voit pas loin. Et on verra des anges et on verra. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous fasse voir aussi lui-même. Pas seulement les anges. Naam. Pour Samira, ta fadlavi. Salam alaikum. Je vais parler de la prosternation lors de la lecture du Coran. Vous avez dit que la femme n'est pas obligée d'être voilée. Je voulais avoir des précisions là-dessus. Quel est le minimum à couvrir pour la femme? Est-ce qu'on peut se prosterner à la fin de la lecture du Coran? Doit-on se prosterner au même temps? On lit le verset en question et reprendre ensuite la lecture. Naam. On se prosterne exactement à la fin du verset. Et je pense que dans chaque Coran, il y a un signe. Il y a une petite flèche comme ça, c'est comme une petite fleur comme ça qui montre que c'est là qu'on doit se prosterner. Regarde bien dans le Coran où il y a un verset où on se prosterne, tu trouves il y a une marque spéciale, c'est écrit c'est là qu'on se prosterne. Naam. Et deuxièmement, ça s'appelle une porte. Et deuxièmement, quel est le minimum qu'elle doit avoir la femme? Naam, on n'est pas obligé d'être voilé, ni d'avoir les ablutions, ni de chercher la qibla, ni de dire Allah Akbar quand on descend. Tout ça n'est pas obligatoire. Naam. Parce que ce n'est pas une salate. Et le minimum que doit avoir une femme, c'est le minimum d'habits qu'elle a à la maison quand elle est en train de lire le Coran. Qu'est-ce qu'elle est habillée? Elle est habillée par exemple avec une robe de chambre, ou bien elle est habillée avec une robe normale, ou bien elle est habillée avec une chemise et une robe, ça dépend où, qu'est-ce qu'elle a. C'est avec une chose normale que elle lit le Coran, avec une chose normale, elle fait la prosternation. Naam. Le plus, des vêtements, disons, simples et décents. Ce ne sont pas des vêtements, que l'on met lorsqu'on est, par exemple, avec le mari. On est avec le mari, lui elle est seulement les deux dans la chambre, ce n'est pas ces vêtements-là, ce n'est des vêtements normaux. Elle ne doit pas se couvrir les cheveux, Naam. Sans se couvrir les cheveux, car quand elle lit le Coran entier, elle ne doit pas se couvrir les cheveux. Alors qu'en est-il? Elle va faire seulement une prosternation en lisant un verset. Naam. Notre frère Nathan a perdu sa place. Pouvez-vous lui enlever le point rouge? Qu'est-ce qui marque là? Ça y est, on passe à Nathan qui a perdu sa place.
تفضل تيوان بي ان شاء الله لو بوان روج تفضل. نعم تون الميكرو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بوفاراتوس. Voilà, j'aimerais bien de poser deux questions, mais j'irai très très vite. Comment dire? Parce que je sais bien que dans le, comment dire, dans la Bible, on dit que lorsque Dieu créa l'être humain, il l'a fait à sa propre ressemblance. Ça, c'est ce qu'on dit dans la Bible. Et ma question est, que dit-on dans le Coran à ce sujet? Et pour la deuxième question, je voudrais attirer votre attention sur le passage que vous avez cité, lorsque vous avez dit que Caïn, il a tué Abel parce que Allah Azza wa Jal, il a, comment dire, accepté l'offrande de Abel, mais pas celui de Caïn. Donc, et ça, c'est ce qu'on dit aussi dans la Bible. Mais dans la Bible, on dit ensuite que, après que Caïn a tué son frère Abel, Allah Azza wa Jal, il lui est apparu et lui a demandé à Caïn, mais où est ton frère, qu'il a dit comme ça. Alors Caïn, il lui a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Après Allah Azza wa Jal, il a dit, mais pourquoi tu as fait cela? Parce qu'il savait que Caïn, il avait tué son frère et il entendait donc le sang qui coule du sol. Et il a dit comme ça, Allah Azza wa Jal, à cause de le sol, il est maudit à cause de ce que tu as fait. Désormais, si tu veux avoir de la nourriture, donc il faut travailler, quoi. Et tout ça, quoi. Donc il a expliqué que pour travailler, pour gagner son pain, il doit le faire à la sueur de son front, donc il doit gagner sa nourriture en travaillant. Alors, Harry, j'aimerais bien savoir ce que dit le Coran à ce sujet. Et voilà, quoi, barakallahu fikoum. Salam alaikum, tafaddal, je vous rends le micro. اخي واسمك كما كيفاش هاد ديجا اخي اسماعيل بوستيلي اسماعيل جو تو فوا با سي جي با اونتوندو سا كيسيون تو اي دون لا فاز جي با اونتوندو سا كيسيون است مو فوايي او اي ماتون است كريكان فوا او اي ماتون جو فوا با اي او ليو دالي شيرشي فير دو طون كي لي لا يلف لا ما تو سالف تفضل تو سالف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Nathan, avant dernier de main levée. Avant dernier main levée. Il n'y a pas chez moi. Chez moi, il n'y a pas de. Voilà, maintenant, il y a Nathan, c'est le dernier. Main levée, c'est le dernier, c'est pas l'avant dernier. Nam. Inch'Allah, après, je réponds à cette question, après, c'est toi, car je t'ai pas entendu. Salam alaikum. Je suis une sœur pourtant le niqab. Je suis de la vie de Cheikh Albani, contrairement à mon mari. Comment dois-je m'habiller devant mon beau-père, le pari de le mari de ma mère, un nouveau converti qui ne prie pas? Connaissez-vous un moyen de faire un stage intensif dans l'Arabie qui est arrivée pendant les vacances d'été? Voilà ce que l'on fait. Non. Pour la deuxième question, je ne connais pas. Non, je suis loin d'Alger. Je ne sais pas qu'il y a et où il y a. Non. Il faut demander à quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui est là-bas, à quelqu'un qui est, par exemple, à Abu. En ce qui concerne le mari de la mère, en principe, c'est la première fois que j'entends, il y a quelqu'un qui se convertit, qui ne prie pas. C'est la première fois que je l'entends dans ma vie. Parce quelqu'un qui est converti, je sais qu'il commence par là, par la prière. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il va, Inch'Allah Ta'ala, faire la prière. Quand il commence à faire la prière, Inch'Allah Ta'ala, quand celui-là, il commence à faire la prière, devant lui,
devant lui, tu peux montrer tes cheveux, ton visage, tes avant-bras et les pieds jusqu'au tibia. Et le cou aussi, et le cou. Quand il commence à Allah Ta'ala à prier, tu peux lui montrer, je répète, les cheveux, le visage, les avant-bras, les pieds jusqu'au tibia et le cou. Et le cou. Naam. Maintenant, si tu es de l'avis de l'Albani, qui dit que celui qui ne prie pas n'est pas kafir, si tu es de cet avis, ça veut dire que tu peux lui montrer ces choses dès maintenant, puisqu'il n'est pas kafir. Si tu es de cet avis. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mais le plus prudent, c'est de laisser qu'il commence, inshallah ta'ala, à faire la prière. Parce que, yani, les autres. J'ai dit, mais le plus prudent, c'est de laisser, inshallah ta'ala, qu'il commence. Puis-je rester en dit baba. Son niqab, naam, son niqab. C'est quoi jilbaba? Jilbaba. Jilbaba, tu veux dire peut-être. Jilbaba. Naam, quand il commence, s'il est musulman, tu prends de l'avis de Cheikh Al-Albani qui n'est pas kafir, tu peux rester avec lui sans jilbaba. C'est-à-dire avec une robe longue, avec quelque chose, yani, qui ne montre que les bras par exemple, et les pieds, et le cou. Ah, ce n'est pas obligé d'être avec le jilbab avec lui. C'est comme avec le frère, c'est comme avec quand on a un frère. Une femme, qu'est-ce qu'elle montre à son frère? Tout ce qu'elle montre à son frère, elle peut le montrer au mari de sa mère. Tout ce qu'elle peut montrer à son frère, c'est la règle, elle peut le montrer au mari de sa mère. Naam. C'est bon, reviens à Asma'il, tafadhal. Maïs, si tu es là, t'as pas besoin. Abu Haroun, t'as pas besoin. Peut-être que Maïs est coincé, peut-être, je ne sais pas, ou là, peut-être qu'il n'est pas devant le micro. T'as pas besoin. Salam, rahmatullah, wa barakatuh. Le tour 2, salam à 57. A été sauté, je pose ma question sur un méchant de la table. Ça y est. Je n'ai pas remarqué que ça n'a pas. Qu'en est-il des personnes qui portent à leurs oreilles des sortes de cuivre et qui disent cela les guérir du rhumatisme? Cela est connu chez les personnes avion en avion, est-ce du chiffre rapide? Naam. Cela, cette chose n'est pas vraie, comme a dit Cheikh Ibn Othaymeen, il a dit, ils ont pris un sabab qui n'a pas été cité ni par Allah, ni par son prophète, ni par l'expérience. C'est-à-dire, même l'expérience ne prouve pas et ne démontre pas que quand on met un cuivre à l'oreille, on n'aura plus de rhumatisme. Si au moins c'était prouvé par l'expérience, ça passerait comme a dit Cheikh Ibn Othaymeen l'âme. Donc celui qui met cette chose dans son oreille, ou bien il a fait du shirk, mais qu'il croit que c'est cette chose, elle, en elle-même qui va guérir. Il a fait le shirk, le grand, mais s'il dit que c'est pas elle qui guérit, c'est un sabab, c'est Allah qui guérit, il a fait le petit shirk. Car il a pris une cause que Allah Ta'ala n'a pas cité ni son prophète, ni l'expérience. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Salam 57. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aimerais savoir. Naam, fika barakallah ya Abu Haroun. Fika barakallah. Abu Haroun, ne laisse pas les enfants écrire sur Wesmo, sur le tableau. Hein. Ne laisse pas les enfants écrire sur le tableau. J'ai pas de brosse. Naam, alaykoum salam. J'aimerais savoir avoir un éclaircissement par rapport au hadith quand le fils d'Adam fait une sejda. Satan pleure. Ce Satan est-il existe? Si oui, peut-il être à plusieurs endroits en même temps? Que doit-on comprendre de ce hadith qui dit sa regretté ne pas se prosterner devant Adam Barak Lofi? Naam. Iblis
et Satan, la différence, etc. On en a parlé plusieurs fois. C'est là où tu voulais. Iblis, tout diable, qui chlasse, qui fait beaucoup de péchés, et qui fait le maximum de péchés, il est devenu un Iblis. Iblis, ça vient du mot que, ça veut dire qu'il a désespéré de quoi? Comment dit Ta'ala, Sa'idahum Moublisson. Il a désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tous les diables, ce sont des iblis. Car ils ont tous désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'il regrette, c'est-à-dire qu'il a les remords. C'est pas il regrette, il fait le repentir. Non, Iblis ne fait pas le repentir, et s'il le faisait, il ne serait pas accepté. Mais il regrette, c'est-à-dire que ça lui brûle le cœur, ah, pourquoi, yani, cette chose m'est passée. Mais, à l'instant même, il va se pousser à faire des péchés, etc., et lui-même fera des péchés. Voilà que ça veut dire qu'il regrette. Ce n'est pas il regrette, yani, il se repent, il revient vers Allah. Non, ce n'est pas comme ça. Mais il regrette juste à l'instant, c'est son cœur qui brûle. Il a des remords, il est jaloux, si je puis dire, il est jaloux, pourquoi lui il va avoir le paradis, et moi ne vais-je pas l'avoir. Ensuite, à la minute même, il nous exhorte à faire des péchés et des désobéissances, pour l'ayyadu billah. Abu Hind, tafadlal. J'ai une question, j'arrive pas à la formuler en français. Pose-la en arabe, c'est mieux. Abouhin, pose-la en arabe, Inch'Allah. Hal afkinna sunna ou le jahl ou le zonne. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit sunna? Sunna, naam. Est-ce que tu as dit sunna, Abouhin? Abouhin, est-ce qu'ils font partie de la sunna jama'ah? Non, personne ne fait partie de la sunna jama'ah s'il ne connaît pas leurs principes et leurs dogmes et n'y adhère pas. Ça ne suffit pas déjà de connaître quels sont les dogmes et les principes de l'Al-Sunnah al-Jama'a. Mais encore faut-il y adhérer. Certes, toute personne qu'Allah Ta'ala crée, il la crée sur la fitra. Il la crée, si on la laisse comme ça, seule, sans lui faire des choubouhas, etc., elle sera musulmane. Al-Fitra, fitra, c'est l'islam. Qu'Allah Ta'ala crée une personne, il la crée à l'islam. Si on la laisse naturelle, elle va être musulmane. Mais ce sont ses parents qui vont faire d'elle une chrétienne, ou bien une juive, ou bien une masdéenne, comme c'est dans le hadith sahih. Donc, mais, musulmane, ce ne veut pas dire al-sunnah ou al-jama'a. Al-sunnah ou al-jama'a, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, connaître leur quoi, leur dogme, etc., et y adhérer. Ensuite, al-asr al-insan, al-sunnah ou al-jahl ou al-dhann. إنه كما قال الله سبحانه وتعالى وحمل الإنسان إنه كان ظالما جهولا. نعم الإنسان إلي ظالم إلي جهول كما قال الله سبحانه وتعالى إلى ديوسي إنه كان ضعيفا إلى ديوسي إلى طغريوسي دل الإنسان إلي تي ضعيف إلي تي فابل. C'est pour ça que il est demandé à chaque personne de quoi? De demander le ilm. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit talabul ilmi fariza ala kulli muslim. La demande de l'apprentissage est une obligation pour chaque musulman. Si ce n'était pas yani quelque chose, yani si c'était une chose qu'on avait, si on avait déjà la science, alors c'est pas la peine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise c'est une obligation de demander la science. Puisque c'est une obligation de la demander, c'est qu'on n'a pas cette chose. Et si on n'a pas cette chose, c'est qu'on est des ignorants. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, il a dit إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمُ. Il a dit l'apprentissage vient en apprenant.
en réponse à certains qui disent que l'apprentissage vient par la piété. Tu restes dans la mosquée, tu dis subhanallah, alhamdoulilah, subhanallah, subhanallah, du matin au soir, tu vas être un savant. Alors le prophète Islam démonte cela, il dit innamal ilmu bitta'allum. Si tu veux savoir et connaître, il faut quoi? Il faut apprendre. Donc on ne dit pas qu'ils sont salafis. Naam, on ne dit pas qu'ils sont salafis. Naam, on dit qu'il est musulman. Il est à l'al-fitra. Il est à l'al-fitra. Naam, il est musulman. C'est pour ça. C'est pour ça que. Attends une seconde. C'est pour ça que les compagnons qui se sont trompés dans la fatwa et qui ont fait de sorte qu'ils ont dit à quelqu'un qui avait fait un songe et il devait se laver alors qu'il avait. Il avait fait un accident auparavant, il avait un trou dans la tête. Ah, quand il a posé la question, est-ce que tu peux faire la prière avec le Taïmoum? Ils ont dit, il faut que tu te laves. Quand il s'est lavé, il est mort. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qataluh, qatalamullah. Hella sa'alu idlam ya'lamu. Pourquoi n'ont-ils pas demandé quand ils n'ont pas su? Ensuite, il a dit, inna ma shifa'u l'ayni su'al. La guérison, il a le soin de. C'est l'ignorance, c'est quoi? C'est sous elle, c'est poser des questions. Donc, quand il a dit la guérison de l'apprentissage, de l'ignorance, la guérison de l'ignorance, c'est la question. Donc, l'ignorance, c'est une maladie. Car il a dit sa guérison, c'est la question. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on est tous ignorants jusqu'à ce qu'on apprenne. Non, mais personne ne peut. Avoir comme ça de l'aim s'il ne fait pas des efforts pour apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Abu Maryam, on va finir inshallah ta'ala. Abu Maryam, Nathan et Samir inshallah ta'ala. Parce que je commence à me sentir fatigué. Est-ce qu'il y a un khilaf? Il n'y a pas de khilaf que Allah ta'ala, quand il crée la personne, il la crée musulmane, il la crée à l'al-fitra. Et que ce sont ses parents qui font de lui un chrétien ou un juif ou un mazdéen. Alhamdulillah. Naam. Il n'y a pas de khidr. Allah est désir, khair, toi aussi. Naam. Maintenant, est-ce qu'il est revenu? Ça y est, il sera juste après Abu Maryam. Abu Maryam 22, ta fadda. Salam alaikum, cher, pouvez-vous citer quelques mérites de Isa, Jésus, fils de Marie en islam? Donc si je voudrais en profiter pour faire la remarque, il me semble que certaines questions ne me sont pas appliquées au cours que vous donnez, et je pense que certains non-musulmans peuvent être totalement dépassés et risquent de cela ne pas comprendre certaines choses. J'aimerais aussi vous parler en privé si vous avez deux minutes à la fin de votre cours. Puis-je mettre aussi le site pour non-musulmans que je vous avais mis la dernière fois? تفضل ميلو تفضل تفضل نعم ce sont mes frères et nos sœurs qui posent des questions qui n'ont pas rapport avec le cours. نعم ce sont mes frères et mes sœurs qui posent des questions qui n'ont pas rapport avec le cours. C'est pour ça que certains chrétiens risquent de ne rien comprendre ce qu'on dit. Risquent de ne rien comprendre ce qu'on est en train de dire. Les mérites de Jésus alayhi salam. Jésus alayhi salam, c'est l'un des cinq meilleurs prophètes. Jésus alayhi salam, c'est l'un des cinq meilleurs prophètes. Vous savez, les cinq meilleurs prophètes, Oulul Azm, c'est Ibrahim et Moïse, Moussa, et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, et Jésus et Noé. Et Noé. Ce sont les cinq qui ont beaucoup souffert, etc. Et Jésus alayhi salam descendra et restera 40 ans avant de mourir. Il est au deuxième ciel avec Jean. Il est au deuxième ciel avec Jean, que la paix soit sur eux. Il est au deuxième ciel. Il va descendre à la fin du monde pour tuer l'Antéchrist. L'Antéchrist. Et il mourra et sera enterré ici. J'ajouterai qu'il descendra, appuyé sur deux anges. Tenant à droite et à gauche sur deux ailes de deux anges. Et que il descendra exactement en Syrie, exactement à Damas, exactement dans un endroit qui s'appelle El Manaratul Bayda, le minaret blanc. Ça se trouve à Damas,
c'est là-bas que Jésus alayhi salam descendra, porté par deux anges, porté par deux anges qui le font descendre du ciel. Il est au deuxième ciel d'Ibn Azzawajal. Quand il descendra, il tuera l'antichrist, il tuera le porc pour montrer que ça ne se mange pas. Il cassera la croix, ma croix, pour montrer que maintenant la croix c'était en, c'était lorsque lui, il était vivant, et ensuite lorsqu'il est mort, eux, ils ont inventé cette croix. Ils ont dit il a été crucifié, etc. Alors que l'islam ne reconnaît pas sa crucifixion. Il dit qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ont tué Judas à sa place et que Jésus est au deuxième ciel. C'est pour ça que quand il descendra, il cassera la croix pour le prouver que ce n'est pas vrai. Et enfin, il mourra d'une mort naturelle sans que personne ne le tue et sera enterré dans la terre. Sera enterré dans la terre. Abu Hind, bon, Abu Hind, on a terminé. Nathan, Inch'Allah, tafadhal. Nathan, je n'entends rien, je te donne une dernière fois, Inch'Allah, tu as la location. Samir, Inch'Allah, tafadhal Samir, aradir, Nathan a des problèmes, il peut pas parler. Tafadhal Samir, Inch'Allah, tu es le dernier. Bidna Azzawajal. Salam alaykoum, je voudrais savoir si une mère qui a des origines juives et a peur que sa fille se marie avec un belge converti. Quel conseil pouvez-vous donner pour que la soeur convainque sa mère qui a encore la main ou la vie des juifs? Qu'est-ce que ça veut dire juif, Samir? Qu'est-ce que ça veut dire juif? Nationaliste, Masha'Allah, vif au Maroc, Masha'Allah. Je voudrais saluer les Marocains et les Marocaines, Masha'Allah, pour leur foi et leur demande de haine, Masha'Allah. Naam. Tayyib. Normalement, en islam, il n'y a pas cette chose-là. Il n'y a pas, je ne donne pas mon fils ou la ma fille à X parce qu'il n'est pas de la même nationalité. Mais en islam, on regarde s'il est pieux et s'il a un bon comportement, il remplit les conditions. Non, s'il est pieux, il a un bon comportement, il remplit les conditions qu'on lui donne. Si on ne lui donne pas, on va rentrer dans une fitna et une agitation, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais, pour enlever une chose pareille, à une vieille femme ou à un vieux, il faut dire et aller sincèrement que ce n'est pas une chose facile. Un vieux ou là une vieille qui n'a pas beaucoup d'ilm, mais qui n'est pas très cultivée, sans parler de la science religieuse. La science normale, elle n'est pas très cultivée. Ensuite, elle est vieille. Toute sa vie, elle a entendu cela. Et pour lui enlever cela, il faut lui en parler beaucoup. Il faut lui en parler beaucoup. À chaque fois que l'occasion vient, je lui donne une phrase. Je lui dis que le meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui le craint le plus. Et ce n'est pas celui qui est marocain ou la tunisien ou l'algérien. Et la fille dit, je suis un marocain et être la plus malheureuse. Comme je peux me marier avec un juif qui est devenu musulman et être la plus heureuse. Ça n'a rien à voir qu'on soit du même pays, même ça n'a rien à voir qu'on soit de la même famille. Non. Si la mère refuse, la sœur peut se marier. Si la mère refuse, la sœur peut se marier. Ce n'est pas une question qu'elle peut ou qu'elle ne peut pas. En islam, si la mère ou le père, à chaque fois, ne veut pas accepter que sa fille se marie, quand il y a des gens qui sont là, des bons partis, et que c'est toujours la mère et le père qui refusent, à la mise contre le père et contre le mère c'est la mère et ensuite le juge qui est musulman les appelle et bien les avertissements bien c'est lui-même qui fait marier la fille sans leur consentement comme le problème c'est quand elle va faire de la relation avec sa mère
elle va faire une relation avec elle et qu'elle compte à quoi ça sert que tu gagnes un mari et que je perds ma mère. C'est pour ça que j'ai dit que il faut faire le maximum pour la convaincre. Faire le maximum pour la convaincre, quitte à faire venir la famille lui parler, faire venir les voisins, les voisines, l'imam, et comme ça. Jusqu'à ce que, Inch'Allah ta'ala, ça rentre dans sa tête. Et n'oublie pas que les cœurs de tous les êtres humains sont entre deux doigts, deux beaux doigts du Seigneur. Alors fais beaucoup de doigts, parce que Allah ta'ala lui ouvre son cœur et qu'elle accepte ce bon parti. Et nous ici, faire des doigts, Inch'Allah ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, yani lui ouvre son cœur pour qu'elle accepte ce bon parti. Inch'Allah ta'ala, on va faire que chacun de nous, Inch'Allah ta'ala, qui fera la guerre, fera le doigt à cette sœur, Inch'Allah ta'ala, et à toutes les sœurs qui restent prisonnières, qui sont prisonnières de, yani, des mentalités, des pères et des mères. Mais que voulez-vous, c'est, yani, elles font comme ça et ils font comme ça parce qu'en fin de compte, elles nous aiment. Pourquoi notre mère ne veut pas? Parce qu'elle nous aime et elle croit qu'en faisant cela, elle va nous préserver. Elle a peur si on se marie avec un étranger, qu'on aura des problèmes, etc. En fin de compte, c'est son amour mélangé avec son ignorance qui la pousse à prendre, yani, à faire un avis pareil. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout puissant, qu'il ouvre le cœur de nos mères pour laisser nos sœurs se marier avec celui qui remplit les conditions et celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, est ravi de lui. Je vous donne, inshallah ta'ala, rendez-vous un mercredi de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam à 21h. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.